10h, 11h52, c'est une autre manière de faire la télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore de lundi à vendredi. Nous sommes justement là pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information, mais une information en toute convivialité. Nos rubriques n'ont pas changé tout à l'heure. On fera un tour en kiosque pour voir ce que disent les tabloïdes au Cameroun. Bernardo Basson, votre sucre national, est également confortablement installé comme tous les matins pour la dénonciation du jour. On terminera, si vous en avez convenance, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce mardi, on essaiera de nous interroger sur le gouvernement camerounais avec une préoccupation. Avez-vous l'impression que l'être humain est resté au centre des préoccupations du gouvernement de la République? Quel regard jetez-vous sur les préoccupations du gouvernement à l'endroit de ceux qui sont dirigés? On en parlera avec beaucoup de cohérence ce jour avec nos invités. Ils seront juristes, ils seront hommes politiques, ils seront consultants. Au canal 307 sur Canal Plus International, sentez-vous privilégié. Et on commence par accueillir ces invités justement qui sont déjà là. Mister Moubarak, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à votre brillant panel et merci une fois de plus pour l'invitation que vous nous faites sur ce plateau. J'ai envie de saisir cette opportunité pour associer à la descente que notre champion a fait sur le terrain hier au niveau du Bankolo. J'ai envie d'associer à cette descente-là les compassions du mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, à ces populations qui ont été une fois victimes d'une catastrophe, malheureusement. J'ai envie de dire que on partage la peine qu'elles ont et qu'on va essayer aussi à notre niveau de manifester matériellement ce partage, cette sympathie. J'ai envie de dire à la jeunesse camerounaise, à l'ensemble de la population du Cameroun, d'être davantage rassurée de ce que le Cameroun est résolument engagé vers un avenir meilleur. Et donc, j'invite cette jeunesse-là à rester droit dans les bottes, à ne pas céder aux sirènes de la tentation, à ne pas céder aux sirènes de la violence et de se dire que le Cameroun est résolument engagé vers un avenir meilleur et que le champion que nous appelons de tous nos voeux commence à apporter des éléments de réponse au tambour que nous battons à son endroit depuis un certain nombre de temps. Vous ne faites que dire le champion. Quand je parle du champion, je parle de Franck-Emmanuel Biya. Nous voulons être au même niveau d'information. Parce que ce n'est pas une devinette. Le champion des franquistes, c'est Franck-Emmanuel Biya. Parce qu'on dit le champion, ça peut être Ngannou. Non, c'est pas Francis Ngannou également est champion, mais il est champion aux États-Unis en MMA. Nous nous parlons là de M. Franck-Emmanuel Biya. Votre champion. Notre champion. De toute façon, le Cameroun. On en parlera tout à l'heure. Hein. On l'a effectivement vu hier au lieu du sinistre du côté de Mbankolo, Franck-Emmanuel Biya. On essaiera de comprendre cette visite de Franck de ce côté-là. Merci Moubarak, vous qui êtes secrétaire général adjoint de ce mouvement des franquistes. À côté de vous, on va accueillir une jeune dame qui nous fait également le plaisir, mais surtout l'honneur, de nous rendre visite ce mardi. Astrid Bissa, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à mes copanélistes. Je suis très ravie d'être parmi vous ce matin et d'apporter ma modeste contribution vis-à-vis des différentes préoccupations qui seront posées ici sur le plateau. Comment vous allez ? Ouf, je me sens comme un poisson dans l'eau, si je peux le dire ainsi. Je vais très bien, merci. Je souligne que vous êtes juriste. Merci, hein, votre apport dans le cadre justement de ce programme nous aidera et surtout la lumière que vous véhiculez à travers votre présence fera en sorte que les hommes sur ce plateau se sentent toujours bien. Et parlant de ces hommes, j'accueille le sucre national, Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Pourquoi moi? Je me dis que vous êtes à l'aise quand il y a une belle femme sur le plateau. Pourquoi en parlant des hommes, vous me regardez seulement? Bon, je ne nie pas.
Mais faut pas te mentir, Vous n'êtes pas Bernardo. content quand il y a une belle femme sur le plateau? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Bon, de plusieurs facteurs. Bonjour le coup, bonjour le coup international. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Bonjour à Moubarak que je retrouve fièrement. Bonjour à Madame également, bien sûr. Bonjour à tous les ressortissants de Nguinkan. C'est dans quelle localité de l'Afrique? De la Sanaga Maritime. Tu as dit Ngui quoi? Nguinkan, c'est la colline. Nguinkan. La colline qui précède mon village. Donc, quelques kilomètres avant mon village, il y a une grande colline qu'on appelle Nkang. Les gens ont construit en bas de cette colline? Dans le versant arrière. derrière la colline, il y a des communautés moi, qui sont pas installées. Un Bancolo bis dans ton village. Hein? Non. Cette colline, elle est assez raide et il y a beaucoup de ressortissants qui sont à l'arrière de cette colline qui se font appeler ressortissants de Ngui Nkang. Donc, Ngui veut dire au-dessus. Donc on a construit, on s'est établi à l'arrière de la colline. Donc tous mes frères et sœurs originaires de là-bas, je leur dis fièrement et humblement bonjour ce matin. Aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De la santé mentale. Donc les Nations Unies ont constaté qu'à mesure que le temps a avancé, les questions de santé mentale se sont posées avec beaucoup d'acuité. En 70, aux États-Unis, les questions relatives à l'homosexualité étaient préoccupantes, étaient rattachées à des maladies mentales. En 90, l'OMS a retiré de la liste de ces maladies mentales l'homosexualité. Donc aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez le redire avec emphase. Hein. C'est-à-dire avant 90, les Nations Unies, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé considérait l'homosexualité comme étant une maladie mentale. Bon, après, c'est trouvable sur c'est-à-dire Internet. Que, bon, comme c'est dit, ceux qui pratiquaient cette chose-là, pour parler comme le président de la République du Cameroun, l'OMS les considérait comme étant des fous. Comme des malades mentales. Au même niveau d'information. La folie n'est pas la seule maladie mentale, mais. C'est ça. Mais comme des malades mentaux. C'est quoi malade mental? Un malade mental, c'est pas un fou. C'est des personnes qui voient leur mental être déréglé pour plusieurs raisons. C'est des gars, tu es torto. Bon. Donc, à côté de cela, il y a d'autres maladies qui habitent le mental de l'homme, qui peuvent être nées des traumatismes et d'autres phénomènes environnementaux particuliers. Donc, l'ONU a pensé qu'il fallait s'arrêter un jour pour réfléchir à la question de la santé mentale, pour trouver des solutions pour résorber les difficultés liées aux maladies mentales et surtout les répertorier, les classifier et prévenir éventuellement autant que faire se peut ces différentes maladies-là. Et parlant justement des maladies mentales, hein, on va saluer un pape de cette affaire en Afrique et plus précisément au Cameroun. Nous l'appelions affectueusement le docteur des fous. Il est devenu professeur, le professeur Ntonet. Et il est également devenu, je pense à l'heure actuelle, c'est le directeur général du CHU. Voilà, c'est le directeur général du CHU. Oui, il est à Yaoundé. Le professeur Ntonet. J'ai entendu parler, je l'ai même vu sur un plateau. C'est le médecin des fous. De Ouro Africa, comme si il y a un mec modéré. Je pense que ça doit être. Non, c'est un autre. Ah, ok. Donc, au professeur Ntonet, nous lui adressons nos salutations. Médecin des fous. Oui, c'est le médecin des fous. C'est un monsieur qui a beaucoup travaillé dans ce pays. Lorsqu'on voulait comprendre comment les fous fonctionnaient, il connaît les fous plus que eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il te parle des fous, il est le meilleur ami. C'est-à-dire quand le professeur Ntonet arrive là, il y a les fous sont contents. C'est extrêmement particulier. Parce qu'il faut baigner dans un système pour comprendre ce qui s'y passe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui réussit à garder son cerveau équilibré, j'espère. Non, il est très équilibré, lui. C'est à saluer. La preuve en est d'ailleurs qu'il a eu un très bon couronnement à l'heure actuelle. C'est le directeur général du CHU. Vraiment, il y a des nominations par moment qui amènent à se poser des questions. Mais parfois, il y a également des nominations qui font l'unanimité. Tout à fait. On accueille à côté de toi donc notre consultant de tout temps. Mais alors, de tous les temps, Pierre Bleu-Riouni, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je m'invite un peu rapidement et subrepticement dans votre commentaire autour de l'homosexualité comme maladie mentale. Effectivement, quand nous apprenions la psychologie en philosophie,
l'homosexualité était présentée comme une inversion sexuelle. C'est-à-dire que quand vous voyez les choses autrement qu'elles ne le sont. Et je peux dire avec force et argument que quand vous observez bien un vrai homosexuel, pas les homosexuels sectaires, vous voyez que c'est quelqu'un qui confond son sexe. Comment ça? Oui, c'est-à-dire que vous voyez par exemple un garçon qui se prend pour une fille. Si les homosexuels se sentaient à l'aise dans leur genre, dans leur sexe, ils n'auraient peut-être pas besoin pour les hommes d'imiter les femmes ou pour les femmes d'imiter les hommes. Vous voyez les filles en général qui sont lesbiennes, elles prennent des allures de garçons et tout. Vous voyez qu'elles fuient leur genre. Donc, elles fuient leur sexe originel pour se retrouver. Vous voyez quand un garçon est homosexuel originel, pas ceux qui sont devenus parce qu'ils veulent telle ou telle position. Le gars, il est obligé d'être maniéré. Aujourd'hui même, il y en a qui se font pousser les fesses. Ah bon? Oui, qui inventent, qui se font fabriquer des poitrines. Ça veut dire qu'il y a un rejet de ce qu'on est à la base. Parce que si c'était si simple, on ne serait pas... Et puis, il faut conclure dans cette affaire-là. Ceux qui essaient de nous expliquer cette affaire nous disent quelque chose qui est incongru. Quand deux hommes sont en érection, on voit bien que c'est deux pénis. Je ne sais pas comment ils veulent nous expliquer ça. Est-ce que les pénis se rencontrent? C'est pas bien. Dans le Est-ce reste... que vous en dites que là-bas, les pénis se rencontrent? Non, on voit donc déjà que la chose n'est pas... Moi, on nous a aussi enseigné les choses. Tu parles de l'homosexualité, tu n'es pas homosexuel. Non, ben attends, quand le prêtre parle du mariage, il n'est pas marié. Donc, mais sinon, c'est vous êtes catholique. Vous allez souvent célébrer vos mariages à l'église, scellés par quelqu'un qui n'est pas marié. Donc, il faut dire à ces gens-là que nous les admettons comme des malades mentaux. Non, c'était avant. Donc, nous continuons de les admettre. C'était comme... avant. Et nous pensons qu'ils méritent d'être soignés. Alors, quand on leur a dit ça et que c'est bien pour eux, nous passons à la citation du jour. La citation de ce mardi matin. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. On peut reprendre. Le doute détruit beaucoup plus de rêves que l'échec. On peut un tout petit peu expliquer. Bien évidemment, celui qui doute de ce qu'il fait a déjà échoué. Il est dans une bien mauvaise position que celui qui va échouer ou que celui qui a échoué. Dans le doute, vous bloquez beaucoup plus de possibilités qu'avec l'échec lui-même. L'échec est un aboutissement, alors que le doute empêche même de bien agir. Merci pour cette autre sagesse matinale de Pierre Blériot. Le décor est planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour au panel et bonjour aux milliers de téléspectateurs d'Espace Mi. Lorsque nous vous voyons sur ce plateau, cela signifie que nous devons déjà faire un tour en kiosque. Que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux nous conduisent du côté d'Info Matin. Le quotidien est en kiosque ce jour pour parler du Covid-19 et de la CAN 2021. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Task Force est donc un succès pour le chef de l'État, titre donc le journal Info Matin, pour nous faire comprendre que la riposte efficace du Cameroun face à la terrible pandémie et à la belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations avec des infrastructures qui force l'admiration à travers les deux groupes de travail dont les membres ont le 6 octobre dernier reçu des décorations au Palais de l'Unité sont des réussites incontestables qui portent une signature unique, celle du président de la République, son Excellence Paul Biya. Cette information est à retrouver en page 3 de ce journal qui parle également du drame de Mbankolo, la compassion de Paul et Chantal Biya aux sinistrés. Eh bien, ce qu'il faut savoir parfois ici, c'est que le Minat Paul Atangandi
Bouddhi en compagnie du Mindjib. Célestine Kétia-Courtet se sont donc rendus hier sur les lieux de l'éboulement pour évaluer la situation et surtout transmettre le message de condoléances et de réconfort du couple présidentiel aux familles des victimes. C'est à retrouver en page 2 du journal Info Matin. Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Publics, parle également de ce drame de Bankolo et titre pourquoi s'interroge donc le journal pour revenir sur la consternation générale qui règne après donc la mort d'au moins 30 personnes dans ce quartier de Yaoundé dans la nuit de dimanche à lundi. Il faut dire qu'un cours d'eau sorti donc de son lit à la suite d'une averse a causé cette tragédie et d'importants dégâts matériels, nous fait savoir Cameroun Tribune ce matin, a retrouvé en page 3, 34 et surtout 35 de ce journal. Pluie de larmes, titre Mutation, qui revient également sur cette catastrophe et nous fait savoir qu'une trentaine de personnes ont trouvé la mort suite à l'éboulement de terrain de ce côté-là. Les réactions et leçons à suivre en page 4 et 5 de ce journal. Le messager également en kiosque ne déroge pas la règle et revient donc sur ce drame et titre L'horreur au pied du mont pour parler de ces 30 morts, 27 blessés graves et une dizaine d'habitations donc en Cévélie suite à cet éboulement de terrain le week-end dernier après ces pluies diluviennes. C'est à retrouver en page 2 de ce journal. Le Jour, le quotidien bleu en parle également ce matin et titre 27 personnes ont trouvé la mort et nous fait savoir que les fouilles des décombres se poursuivent donc de ce côté-là pour retrouver encore quelques corps qui pourraient donc s'en échapper. On va donc aller du côté de Breaking News qui est également en kiosque ce matin qui parle naturellement de cette catastrophe et revient sur le réconfort de Franck Biya. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le fils aîné du chef de l'État a donc effectué une descente sur le terrain hier et à l'effet donc d'apaiser les familles sinistrées. Drame Bankolo, encore ces constructions anarchiques, nous fait savoir donc le journal qui revient donc sur ces plans de construction qui ne respectent certainement pas la réglementation en vigueur. C'est à retrouver en page 2 de ce journal. L'info à chaud également en kiosque parle quant à lui de cet éboulement. Également, éboulement donc de Bankolo, des actions de réconfort engagées pour soutenir les familles à retrouver en page 6 et 7 et qui parle également de surprise en page 3 concernant cet éboulement du côté de Bankolo. Terre promise hebdo s'intéresse également à cette actualité. L'hebdomadaire d'information et d'analyse de Marc Ombuy revient sur ce drame et titre Le ravin de la mort pour parler donc de la rupture d'une digue suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la capitale du Cameroun et qui fait selon le journal 25 morts et donc le bilan risque donc de s'alourdir. C'est à retrouver en page 2 de ce journal. Le quotidien en parle également. Le quotidien de Jules Brice Ngaba revient sur le réconfort présidentiel concernant ce éboulement du côté de Bankolo. Allons du côté de l'essentiel qui titre La colline de l'horreur pour parler bien évidemment de ces nombreux décès enregistrés du côté de Bankolo. Les pluies torrentielles tombées à Yaoundé dimanche soir ont provoqué un glissement de terrain sur la colline Bankolo qui domine la ville. Bilan tragique, l'ensevelissement d'une vingtaine également d'habitations et la mort d'une trentaine de personnes, nous fait savoir le journal. L'essentiel en page 3 et 4, Tam Tam d'Afrique parle également de cette actualité qui meurtrit aujourd'hui le Cameroun. Éboulement de Bankolo, le chef de l'État déploie le Minat et le Mindjib en urgence, certainement pour apporter, bien évidemment, vous le savez, le réconfort à ces nombreuses familles qui ont perdu des habitations, mais surtout des pertes en vie humaine. Eh bien, parfait, on va terminer ce matin cette revue de presse par l'actu sport, l'hebdo de tous les sports qui parle donc de basketball. Pourquoi Joel Embiid a choisi les États-Unis? Eh bien, il faut dire que pour Joel Embiid, il aime son pays d'origine, mais il veut participer au
aux Jeux Olympiques. C'est donc la tiraille entre le Cameroun, la tiraille entre le Cameroun, sa terre natale et la France. Les États-Unis, il a donc décidé de choisir les États-Unis pour disputer les Jeux Olympiques. Et à cause de ce choix, il déclenche donc une vague de réactions et d'indignation pour ce journal qui revient naturellement pour terminer sur le Grand Prix cycliste Chantal Biya, petite forme des coureurs camerounais, tout simplement pour dire ce matin que les Camerounais n'ont remporté aucune étape à l'issue de cette 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. C'est d'ailleurs avec ce journal L'Actu Sport que nous refermons cette revue de presse Acte 3 après 6h45, après la revue de presse en anglais à 7h30 avec Hermine Ilouga et bien sûr à 10h15 dans le cadre de l'émission Espace Mini avec le sac de modérateurs parfait ici. Merci hein, Patrick Bala pour cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien parfait, ici aux 19h et aux 20h, on reviendra bien évidemment sur cette catastrophe qui fait de nombreux morts, qui fait également aujourd'hui des sans-abri. On va davantage s'interroger sur le comment, le pourquoi de ces constructions dans des zones à risque. Vous savez également que il y a eu des alertes concernant ces zones qui interdisaient bien évidemment à ces citoyens de construire de ce côté-là. Mais pourquoi s'en est-il? Que fait le gouvernement même qui a la légitimité de pousser ces personnes à déguerpir de ces zones-là? Que fait réellement le gouvernement pour imposer sa loi, une loi positive, ça il faut le signifier, pour éviter naturellement qu'on se retrouve avec ce genre de catastrophe? Et donc la rédaction de Info TV va s'appesantir au cours de ces éditions des journaux du 19h et surtout du 20h. Patrick Ballin. Parfait, ici. À demain 10h. Merci. Au moment où Patrick Bala nous donnait justement cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, l'essentiel de la presse nationale revient justement sur cette catastrophe de Mbankolo. Hier, c'est vrai que nous avons marqué un arrêt pour en parler déjà sur ce même plateau. Disons quand même également qu'il y a une autre actualité qui fait également couler beaucoup d'encre et de salive, cette fois-là en sport, avec le Camerounais Joël Embiid qui justement est au sommet du basketball mondial depuis de longs mois du côté justement des États-Unis. Il a choisi les États-Unis, il jouera pour le compte des États-Unis, il a tourné le dos au Cameroun et du coup beaucoup pensent que c'est un traître. On essaye de lui envoyer tous les noms d'oiseaux au moment où certains pensent également que Joël Embiid a tout simplement été réaliste en tournant le dos à l'amateurisme de notre pays. De toutes les façons, je passe d'abord la parole à Bernardo Basson. Bernardo Basson, notre prédiction a donc payé. Hier, sur ce plateau, nous avons énuméré les hautes personnalités qui devaient aller en Bankolo. Sauf erreur de ma part, je pense que ça a été le cas. On a eu Lomina Tatanganji, on a eu Lamine Diou et Célestine Kecha Courtès, on a eu le maire, Yannick Aïssi, on a eu le sous-préfet. Tout le monde était là, donc c'est bien. Entre-temps également, nous avons également eu la présence de certaines autres personnalités hein, sur le plan politique, en commençant par l'honorable président Cabral Libi du PCRM, qui a également fait une visite de réconfort de ce côté, mais surtout la très inattendue visite du fils du président de la République du Cameroun, Franck-Emmanuel Biya, qui est également allé de ce côté-là pour s'enquérir de la situation. Je vous suggère de marquer un tout petit pour votre analyse sur la présence inopinée de Franck-Emmanuel Biya du côté de Mbankolo. Votre commentaire. Humblement, je pense que la sortie de M. Franck Biya postule de deux choses. Hein. Déjà, on va dire entre guillemets, ce sont ses voisins
Tout à fait. Et on dit généralement, lorsque le feu brûle chez le voisin, il faut préparer le seau d'eau chez toi. Et il y a même la solidarité. Voilà. Quand votre voisin était sinistré. Voilà, vous avez aussi l'obligation de solidarité, de compassion, d'entraide. Donc, ça sortit sur le plan social, sur le plan humain. De bonne guerre, de bonne foi, d'abord parce que c'est quelqu'un qui a bien sûr le souci de ce qui se passe dans son entourage, dans son voisinage. Maintenant, toute proportion gardée, il ne fait pas l'ombre d'un doute que ça reste une sortie politique. Ah bon ? Le Cameroun a connu beaucoup de catastrophes dernièrement. Vous voyez la politique partout ? Si vous ne la faites pas, elle vous fera toutes les façons. Donc le Cameroun a connu beaucoup de catastrophes dernièrement et on a rarement vu le fils du chef de l'État être au devant de la scène. Et pour la première fois, on l'a vu s'afficher, on l'a vu clairement en tenue, on va dire en tenue de combat en quelque sorte, parce qu'il avait un style vestimentaire qui ressemblait à celui de quelqu'un qui veut vraiment aller au four et au moulin. Une simple chemise et une paire de tennis. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui ne venait pas sur des grands airs, sur des grands chevaux pour venir snober les gens. Il semblait être vraiment préoccupé par la situation, il voulait vraiment s'enquérir et savoir comment est-ce qu'il pourrait aider. Du moins c'est l'impression que cela m'a donné. Donc pour moi, je pense que c'est relativement à saluer et surtout c'est à considérer comme étant un plus. Bon, tout le monde sait au Cameroun que voilà, des rumeurs courent que le fils souhaiterait. On est dans l'hypothétique, hein, remplacer le père. Donc si déjà on a l'impression que le fils a un certain âge, que le père a eu certainement quand il est arrivé au sommet de l'État, lui quand même prend sur lui de marcher, de se rapprocher des populations, de discuter avec les gens, de se montrer en public dans les endroits publics. À mon sens, c'est à mettre à son actif. C'est quelque chose de bien. Oui, c'est à mettre à son actif. On a vu des personnes qui, au même âge, ne sont jamais sorties de leur bureau pour aller toucher du doigt les réalités sociales. Donc vraiment, moi, je suis content de le voir là. Et concernant les autres ministres, ouais, c'est une palissade. Hein. C'est redondant de les voir là à chaque fois. Parfois, les larmes de crocodile, parfois... Non, on ne peut pas juger la larme. Hein. Vous n'avez pas... Le larmomètre. Le larmomètre. Il faut savoir qu'ici, ce sont les larmes de crocodile. La sincérité de vos actions vous impose de prévenir de nouvelles actions qui pourraient être de même nature. Ça veut dire, si monsieur Yamek, je l'ai offensé et que je m'excuse en pleurant, la logique voudrait que je me garde à l'avenir de poser le même acte. C'est compris. Donc la négligence coupable de ces personnes-là semble quand même démontrer que lorsqu'elles s'affichent sur la place publique, c'est certainement pour faire du cinéma et de la farce. Non, pas le cinéma. Ce sont des hautes personnalités. C'est mon avis sur la question. Ils ne sont pas des acteurs de film. Maintenant, on a également suivi le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanganji, dire que le chef de l'État justement a envoyé du réconfort, a envoyé le matériel pour secourir les sinistrés. Je pense que le ministre a parlé des matelas. Il y avait également autre chose que j'oublie quand même là pour les sinistrés. Je passe d'abord la parole à Astrid Bissa. Astrid, quel est le regard que vous posez quand même sur ce bal de haute personnalité qui s'est rendu du côté d'un Bankolo hier et surtout la présence du fils du chef de l'État, Franck Emmanuel Biya? Tout d'abord, je vais commencer par saluer le geste des membres du gouvernement parce que, quoi qu'il en soit, il n'était pas obligé aussi de se déplacer. C'était pas une obligation morale, je veux le dire. Même si l'obligation, elle est, on va prendre ça comme une contrainte, parce qu'ils agissent pour le nom, au nom et pour le compte de l'État, ils devraient être sur les lieux et places. Donc, je salue déjà cette compassion-là. Je ne vais pas dire que c'est du cinéma, je ne vais pas le dire, parce que nous sommes tous des êtres humains et nous devons nous mettre aussi à la place des uns et des autres. Ils ne sont pas des animaux, ces membres du gouvernement. Ils ont un cœur aussi, un cœur très fragile. C'est des personnes qui ont des enfants, qui ont des familles et qui peuvent même se mettre aussi à la place de ceux qui sont des sinistrés aujourd'hui. On a vu Madame Célestine Kétia-Courtès qui était au bord des larmes, hein. Oui, c'est on l'a vu, elle portait un bébé, tout à un fait. Bébé qui est sorti des décombres. Il y en a même et le bébé a survécu. Il y en a même qui ne le font même pas. Il y en a qui ne le font pas. Nous, les femmes, je vais parler même des femmes, de la gente féminine. Il y en a qui peuvent voir même de telles situations et qui s'en foutent carrément. Et qui restent à 37. Ça les laisse à 37. Mais ne serait-ce que ça.
pour cela, nous devons quand même saluer cette sortie ou cette mise en place du gouvernement qui était là. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement n'était pas là hier ou avant-hier, lorsque cela s'est déroulé, ben, ça aurait toujours fait des choux gras. Ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais quand ils le font, donc, pourquoi encore avoir des pensées, des arrière-pensées ? Des pensées négatives. Voilà. Alors, on commence à leur faire des procès. Des procès d'intention. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, saluons au moins, regardons ce qui est fait, que ce soit de façon cinématographique, je vais appeler ça comme ça, que ce soit de façon, je ne sais pas, fantaisiste. Moi, je crois que à ce niveau-là, il faut tout de même. L'action qui est importante. L'action est très importante. Merci beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne le chef de l'État, vraiment, moi, je l'ai toujours, je ne sais pas, je ne vais pas dire vénéré parce qu'il n'est pas Dieu, mais tout au moins. Je sais que c'est un père de famille, je sais qu'il est très mal pour ses enfants, que nous sommes, c'est-à-dire que la nation est. Alors, le fait déjà d'apporter ne serait-ce que le petit couvert ou la petite couverture ou les petits draps ou quoi que ce soit, en fait, tous ces accessoires, je dirais quand même que c'est déjà un pas vers l'avant. Maintenant, lorsque les choses seront mises en place, parce qu'il faudrait bien les réhabiliter dans un secteur bien situé, il y a des budgets, il y a ci ou ça. Il ne peut donc pas, le président de la République, qui est notre chef de l'État, qui est notre père même, parce que je dirais qu'il gère le pays en tant que père de famille, je le prends ainsi. S'il faille que les choses soient faites aussi rapidement, je pense que nous devons lui accorder tout au moins le bénéfice du doute, en sachant qu'il le fera. Maintenant, je vais aussi une fois de plus, je me penche sur son fils, sur Franck-Emmanuel Biya. C'était une très belle surprise pour moi. Mais une surprise agréable, pas une surprise désagréable. Vous étiez contente de voir Franck en Bangkolo. J'étais émue. J'aimais m'écraser une larme. Ah bon? Oui. Pourquoi? Je m'explique. Parce que il n'est pas toujours évident. Il n'est pas toujours évident. Voilà, ils sont nombreux qui sont des fils de X, des fils de tel ou de tel. Mais, et qui ne se soucient pas de ça. Qui ne se soucient même pas. Qui ne se soucient pas de ces sinistrés-là. Lui, au moins, a pris la peine de marcher, d'aller dans la boue, d'aller sur le terrain et voir ce que les uns et les autres vivent, ont vécu. Je vous assure, même si tu es en fer, ça fait mal. Merci. Hein. Avant de passer la parole à Pierre Blériot, nous allons d'abord lire rapidement ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun adressé à Monsieur le gouverneur de la région du centre. Et qu'est-ce que le télégramme dit? Monsieur le gouverneur, j'ai pris connaissance du bilan humain élevé suite à l'éboulement de terrain provoqué par des pluies diluviennes survenues au quartier Mbankolo à Yaoundé. J'accorde la plus grande attention à la bonne coordination des opérations de secours ainsi qu'à l'assistance d'urgence aux parents des victimes et aux sans-abri. Je vous demande d'adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées et mes souhaits de prompt rétablissement aux nombreux blessés auxquels j'associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez à griller, monsieur le gouverneur, les assurances de ma parfaite considération. Même s'il y a quand même quelque chose qui attire mon attention ici, la copie a été ampliée au Minat, au Minju, au Mindevel, à la CRTV et à la Sopécan. Je ne sais même pas pourquoi moi je lis, la copie ne nous a pas été adressée. Hein? La copie n'a pas été adressée à la presse privée. On a adressé la copie à la CRTV et à la Sopécan. Je ne sais pas si on doit coller un commentaire également dessus. Mais bon, Pierre Blériot, un mec sinistre de Mbankolo, pour l'heure, que retenir? Oui, j'ai vu les cérémonies de deuil et surtout les oraisons funèbres prendre des allures bizarroïdes dans mon pays. J'ai vu des gens aller copier dans les textes des anciens de très belles oraisons funèbres et de venir les lire. Quelqu'un parle de son père tout en larmes alors qu'il ne connaît même pas son père. Il dit, mon père était... Et au village, tout le monde se demande, c'est le méchant type qui était ici dont on parle dans cette oraison-là. Oh! Les gens se demandent,
Bon, mais comment n'interrompt pas celui? Normalement, j'avais déjà mon deuil. J'ai donné la consigne. Si quelqu'un vient mentir, Niemere était doux. Si tu parles à Niemere, ne se fâche pas. Retirez-lui le micro. Dites que tu ne parles pas de Niemere. Donc, j'ai entendu quelque chose ici sur notre père à nous tous. Si c'est notre père, moi, je suis un enfant sans père. C'est-à-dire, il nous aime, il nous adore vraiment. Il peut mourir pour nous. Il a envoyé la lettre, il nous a oubliés. Il a envoyé à ses vrais enfants. La correspondance, l'ampliation est à l'endroit de ses vrais enfants. De la CRTV, non, de la SOPK. De ses vrais enfants. Mais ne savons pas pourquoi nous nous faisons. Il y a des enfants comme ça. Vous rendez tous les services au père, mais vous. Peut-être que le fils peut nous considérer. Il faut qu'il sorte aussi sa correspondance. Mais on l'a tellement si bien défendu. Non, humainement, le geste de Franck Emmanuel Biya, humainement, je parle de lui. Le geste était bon. Nous, la dame n'était pas avec nous ici. Nous, on avait déjà dit pour les autres, là, leur cargaison. On avait déjà dit que la cargaison irait là-bas. Donc, la surprise, c'était Franck Emmanuel Biya. On ne l'avait pas cité. Pas du tout. Et si ça a un aspect politique, on verra. Du point de vue humain, je crois que si vous avez votre maison, moi... Ma maison est tombée en Vaugade un jour. Mon voisin est sorti pour voir si mon mur avait cassé son mur. Dès qu'il a vu que mon mur n'a pas cassé son mur, il est rentré. Voilà. Il s'en foutait pas mal de ce qui était arrivé chez moi. Donc, il est toujours là. Mais Emmanuel Biya est allé voir ce qui est arrivé à ses voisins, à ses frères. Parce qu'il n'a pas l'âge de notre père, il est notre frère. Tout à fait. Et c'est un bon geste, j'ai apprécié. Vous parliez de sa tenue. En général, chaque fois que moi j'ai vu ce monsieur, il était relax. Hein. Et il a un bon physique. Voilà les qualités que je retrouve. Il a un bon physique. Oui, tu es une femme. On risque qu'on va faire te soupçonner. Hein. Non, Franck Emmanuel Biya a un bon physique. Vous l'avez vu quand il était avec Nganou. Il a aussi les bras comme s'il chargeait. Donc, quand je dis ça, c'est pour dire qu'au moins, on a là quelqu'un qui a de la langue. Tout à fait. Il a... Et la dame sur le plateau dit tout à fait. Il a de la langue. Non, tout à fait. Il marchait avec le maître en homonyme. Ouais, je souligne d'ailleurs qu'on n'a pas vu qu'il a mobilisé les moyens de l'État. Pas du tout. On n'a pas vu. Donc, c'est vraiment une visite privée, c'est une visite humaine. S'il avait mobilisé fanfare et autres, les sirènes, voilà. Il ne peut non plus passer inaperçu. Voilà. Soyons sûrs, d'accord, à moins de faire la fine bouche. Si tu vois Franck Emmanuel Biya quelque part, tu le reconnais. Tu dis que voici Franck Emmanuel Biya. Donc, c'est un beau geste. Pour les ministres, eux, ils sont dans un rituel. Nous leur montrons du doigt les autres situations qui arrivent. Ah oui. Qui arrivent. Recommençons à les énumérer. Hein. Ekounou. La vallée Ekounou. En Bankolo, il y a encore une pierre. Bankolo, il y a encore des pierres qui menacent. Au Carrefour Vorada. Comment on appelle ça? Carrefour Patita. Ce grand immeuble qui menace là depuis plus de 20 ans. Je dis parfait. Si on avait pris le temps de faire la liste, il y a... Le Mindup doit avoir cette liste. Le Minat a cette liste. Nous leur disons. Mais il paraît que ça ne fait pas spectacle. C'est Ngoglitouba qui les intéresse. D'aller anticiper et de résoudre un problème. Non, ça ne fait pas spectacle. Donc, je ne suis pas le fait de porter les bébés qui sont sortis des décombres. Bon, vous savez ça. Non, il y a de l'émotion. On sait que vous n'avez plus de l'émotion. C'est votre problème. On vous dit qu'on a retrouvé un bébé sous les décombres. Le bébé devait avoir à peine 3 mois. Vous voyez qu'il y a de l'émotion. Un jour, je vais expliquer aux téléspectateurs les sciences de la communication qui permettent à un homme politique de s'adresser à un peuple. Et ils verront à quel point ils sont souvent manipulés. Non. On apprend même que Tia Courtez. Bon, je vais donc donner quelques règles. On apprend aux hommes politiques à hésiter quand ils parlent pour donner l'impression que leurs voix sont chargées d'émotions. Je peux expliquer aux téléspectateurs que quand vous voyez un homme politique parler et dire comme s'il cherchait les mots. C'est pour vous donner l'impression. C'est Dakar.
Ils n'ont même pas retenu les noms des gens qui étaient là. Dès qu'ils finissent, si vous les filmez quand ils ont tourné le dos là, vous n'allez pas les reconnaître. Non, Blériot. D'ailleurs, ils demandent bien à leur chauffeur, donne-moi un mouchoir là. Ils essuient tout ce qu'ils ont. Oh non, c'est pas possible. J'ai des saletés là. On dit, ils enlèvent. Oh, vraiment, avec ces pauvres, j'ai failli me salir. Donc, ils... non, Blériot, non, c'est d'autres personnes. Non, c'est au Cameroun. Je vous assure. D'accord. Moi, je les connais. Donc, vraiment, leur jeu, je ne peux pas être pris à leur jeu. Je sais que c'est compris, ils sont bien. Sans sentiment. Ils sont SS. On va passer la parole aux franquistes sur le plateau. Je l'ai fait à dessein hein, pour vous passer la parole en dernier. Okay. De voir d'abord ce qu'on parle de votre champion, Franck Emmanuel Biya. Les uns les autres ont reconnu tout à l'heure que humainement, c'était un beau geste, ce geste de compassion, ce geste de réconfort de la part du fils du chef de l'État. Mais au regard de ce grand mouvement qui est né, qui le soutient, au cas où son père n'est plus président de la République, certains peuvent également glisser calmement en disant que c'était aussi un geste politique de la part de Franck Biya. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent ainsi? Non, moi... Il faut déjà dire que je souscris à tout ce qui a été dit sur la dimension humaine de l'homme. Parce qu'on a dit de bonnes choses. Donc, si on avait frappé, tu n'allais pas souscrire. Je vais être contre ce que vous aviez dit. D'accord. Mais vous aviez dit que la vérité. Vous aviez, je ne peux pas dire mieux que ce qui a été dit sur la dimension humaine de l'homme. Qui, un bon Africain, a jugé normal de porter secours à ses voisins lorsqu'ils sont en difficulté. Maintenant, on peut aller au-delà et essayer de faire une analyse politique. Bernardo a tout à l'heure dit que c'est une expression de ce que le fils du chef de l'État souhaiterait être le futur, si à jamais le chef de l'État venait à décider de se reposer. Et moi, je pense davantage qu'il s'agit d'une réponse à l'appel que le peuple envoie à son endroit depuis un certain nombre de temps. Il faut dire que le mouvement des franquistes bat les tambours à son endroit depuis 2013 et même un peu plus avant. Donc aujourd'hui, il est sorti, il a manifesté une compassion et on ne peut pas voir ça de manière anodine. Je pense qu'il y a une forme de réponse à tout cela qui l'invite à s'investir dans la chose politique. Effectivement, j'avais fait des tests où j'ai essayé d'expliquer aux Camerounais que les Biya ont une forme de communication qui n'est pas très expressive, mais qui est beaucoup plus métaphorique, c'est-à-dire qu'on communique très peu avec les mots, mais on pose des actes, on pose des gestes qui disent tout. Nous avons vu en 2021, il était à Fouma le 6 novembre, nous l'avons vu en 2022, il était à Rebouba et à Garoua. Aujourd'hui, il a fait une sortie publique, c'est la toute première lorsqu'il y a une catastrophe. Cela démontre quand même qu'il est en train de dire aux Camerounais que je vous comprends. Et je pense qu'il faut que le message que vous baraque, il faut comment si je l'invite dans mon village. Oui. Si je peux aussi inviter Franck Biya dans mon village, en colo-vent, ce serait une bonne chose. Vous pouvez toujours le faire. Mon village est tout à côté. Parle du village de Bernardo Bourbéa. Ici, vous avez c'est que comme nous sommes à côté, nous n'avons pas droit au miel. Vous avez la route, vous avez le courant, vous avez l'eau. Quand il va venir là-bas, il va ajouter. Il y a des régions maudites. Il va ajouter quoi quand il va venir chez vous? Dans mon village, comme il a plu hier là. Si vous allez à 18h, vous arrivez demain à 11h. C'est moi qui ai fait en sorte qu'on est ici là-bas. Non, mais nous sommes déjà prêts, on sera bien. Pour lui dire que si on jamais. On ne fait pas des concours. Non, j'appelle pas. Moi, j'appelle Franck Biya pour lui dire que si jamais il accède là où il espère, comme beaucoup d'autres espèrent, qu'il sache qu'à Boulbéa, Njel Tabé, il n'y a pas la route. Boulbéa n'est pas le seul village du Cameroun. Voilà. Je prêche pour ma chapelle. Ce n'est pas le seul. Non, tu n'es pas là pour Boulbéa. Je prêche pour ma chapelle. Terminé, voilà. Ce n'est pas le seul village. Moi, je ne connais pas les gens de là-bas. Ce n'est pas le seul village. Voilà, je suis le plateau. Moi, j'ai été à Madjingring. Madjingring, c'est presque la frontière avec la Centrafrique. Et pour y arriver, tu fais presque deux. Et là-bas, c'est le seul village du Cameroun. Non, je dis, j'explique, je prends des cas. C'est très loin. Je vais faire mal de prendre Boulbéa. C'est très loin de chez moi. Je tombe, monsieur le franquiste. Ce que je veux dire, c'est que des situations pareilles, il y en a beaucoup au Cameroun et le gouvernement travaille effectivement pour résoudre. Maintenant, on ne va pas imposer un calendrier. Il faut quand même apprécier les résultats qui sont déjà là sur le terrain. Le gouvernement travaille bien. Non, c'est 40 ans de travail. Non, le gouvernement travaille bien. Permettez aux franquistes d'aller au bout de son argumentaire. Le gouvernement travaille. Non, non, je dis bien ceci. Oui.
Travailler, c'est une chose, bien travailler. Vous l'avez quel autre. Faut pas te moquer des Camerounais. Vous l'avez donné quel autre. S'il vous plaît, c'est pas vous qui posez les questions. Il travaille quand même. On ne peut pas refuser qu'il. On peut pas dire. Il faut donc choisir un autre membre du gouvernement pour remplacer Biya, vous laissez franc, puisque le gouvernement. Pourquoi? Mais c'est pourquoi vous choisissez quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement. On peut toujours aussi le choisir. Pourquoi on doit choisir notre membre du gouvernement? Non, mais puisque le gouvernement travaille. Non, il ne faut pas balayer d'un revers de la main tous les efforts qui sont faits dans le pays. Il y a des problèmes, il faut les admettre. Il y a aussi des efforts qui sont faits, il faut les admettre. Il y a le gouvernement. Beaucoup a été fait. Bien sûr. Beaucoup reste encore à faire. Il n'y a pas d'eau à boire, Moubarak. Toi, tu n'as pas vu l'eau ce matin? Pardon? Tu n'as pas vu l'eau ce matin? Ça ne va pas coucher. C'est comme ça que tu dans un pays, il y a un bassin hydrologique. Là n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat du jour. Tu parles du gouvernement. Monsieur Basson, je pense que vous confondez des débats. Il n'y a pas d'eau. Donc laisse le gouvernement à côté. Parlons de Franck. Monsieur Basson. Il a fait une sortie. Monsieur Basson. Une sortie saluée. Le gouvernement laisse là-bas. Monsieur Basson, vous confondez des débats. Nous parlons du séisme de Mbakolo. Il faut reconnaître ce que le gouvernement fait en matière je de parle pour mon village, je suis Bassa, je parle pour mon et village. Il faut reconnaître quand même cela. Vous faites quoi? Qui a pas la route chez moi? Non, qui a la route ailleurs? Qui a jusqu'à un certain niveau? Monsieur Basson, vous n'êtes pas la seule localité, il n'y a pas de route. Je parle pour mon village, je ne peux pas faire ici. Voilà. Qui a la route chez vous, non? Sachez que dans d'autres régions du pays, il n'y a pas aussi les routes. Qu'est-ce que l'on parle? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route chez moi. Je n'ai pas un cas particulier à vous voter. De toutes les façons, là, il n'y a pas les routes, on ne va pas vous voter. Ça va. Non, pourquoi? Non, mais ça va. Là, il y a les routes votées. Moi, je pense que vous allez dans tous les sens. Et nous allons prendre un verre d'eau. D'accord. Passe la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci, c'est pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un monsieur qui dénonce le comportement de sa femme et de ses enfants, par ma voix. Pour vous faire le récit tel qu'il me l'a été présenté, le monsieur m'a dit qu'il est originaire de la région du centre et sa femme aussi. Ça, c'est le récit. Et sa femme aussi, et qu'ils ont été habitués à avoir une vie de couple tumultueuse, une vie de couple très dynamique, entre guillemets, mais où il y avait beaucoup de querelles et beaucoup de guerres. Une vie de couple sous tension. Sous tension, si vous préférez. Animé. Et qu'ils ont toujours vécu comme ça, ils se sont aimés comme ça. Et ils ont deux enfants aujourd'hui, l'aîné a 20 ans, le cadet a 18 ans. Depuis deux ans, lorsque son épouse et lui commencent leur chamaille, leur querelle quotidienne, comme c'est souvent le cas, les enfants commencent véritablement à prendre position. Et lorsqu'il devient violent vis-à-vis de sa femme, les enfants viennent le bousculer en estimant qu'il devrait arrêter de faire ça. Il estime qu'il a essayé de dire à l'aîné non, les enfants ne se mêlent pas des choses des parents, mais l'aîné lui a dit non, tu ne la frappes pas, insultez-vous, je m'en fous, mais si tu la frappes, je te pousse, je ne te frappe pas, mais je te pousse pour que tu la laisses. Il estime donc qu'à un moment donné, lorsque sa femme et lui se bagarraient, elle ne criait pas beaucoup. Mais depuis que les enfants sont grands, elle fait tout pour que les enfants soient alertés et pour que les enfants viennent le menacer. Donc il estime qu'elle instrumentalise les enfants contre lui et que cela est insupportable. Et donc face à cela, pour lui de voir ses enfants le menacer même physiquement, c'est une situation assez complexe. Donc il aimerait ce matin que des mineurs en parlent et en ce moment il nous regarde. C'est le monsieur qui est venu là hier. Non, c'est pas lui. Ah, il est venu hier, c'est pour une autre dénonciation. Incroyable. Bon, je passe dans la parole à la dame, Astrid Bissa. Pourquoi cette femme se comporte ainsi? Elle pense que progressivement, elle a eu ce que Bleureux appelle là du renfort à la maison. Au point maintenant, le monsieur se sent à l'étroit. Parfait, je pense que tout d'abord, il faut voir l'éducation de base. Je commence par là. Nous avons tous grandi dans des familles peut-être reconstituées ou alors des familles même, je veux dire quoi, légitimes. Classiques. Classiques. Maintenant, c'est vrai, aucun couple n'est parfait.
il peut y avoir, en plus de surcroît, qu'il y ait déjà des enfants. L'éducation de l'enfant aujourd'hui, voilà pourquoi, nombreux, c'est juste une parenthèse, hein, nombreux de ces petits jeunes-là, ils sont des vandales, c'est des délinquants, c'est, par rapport à ce qu'ils voient leurs parents faire. Donc, je pense que dans un couple, quel qu'en soit le problème, je crois que tout doit se régler en l'absence ou même en catimini, c'est-à-dire que les enfants ne doivent même pas être au courant de ce qui se passe. Je ne rejette pas la faute sur l'homme, entièrement, je ne rejette pas entièrement la faute sur l'homme, ni la faute sur la femme. Mais je pense que la femme, c'est le socle de la famille. C'est-à-dire quoi? Elle doit préserver son couple, elle doit préserver son foyer. Maintenant, en ce qui concerne les fouets ou la bastonnade de son homme, lorsqu'elle crie à l'enfant ou aux enfants, elle crie au secours des enfants, je ne pense pas que c'est une bonne manière aussi. Pourquoi? Parce que c'est inciter justement les enfants à devenir, je vais dire quoi, des bourreaux pour leur père. Et à ce niveau-là, il y a un véritable souci. Il faut couvrir, protéger les enfants de l'autre côté, de l'un ou de l'autre côté. Ça peut arriver, il peut arriver même que bon, que ça se passe au vu de ses enfants, en plein repas, ça peut arriver, mais que ce ne soit pas continu. Donc, je pense que les enfants doivent être protégés et voir leurs parents comme des modèles. Parce qu'il y va aussi de l'éducation de leur descendance, la descendance de la suite. Et même le fait déjà que l'enfant aille pousser son père, c'est vrai. Ça fait mal de voir comment on bat sa mère. Oui, je comprends, mais à un moment donné, un jour, il arrivera que cet enfant tue son père. Donc, il y va aussi du côté de l'homme. De ne pas, la bastonnade ne résout aucun problème. Vraiment, on peut gérer. Il y a des manières de punir la femme. Tu sors, tu vas même passer la nuit dehors, même si tu n'es pas avec une femme à l'extérieur. La femme d'aujourd'hui, tu passes la nuit dehors, elle passe aussi la nuit dehors. Oui, c'est ce que je dis. Donc, ça fait la punition. Donc, mais la femme le matin. La femme est plus perdante. La femme est plus perdante dans ce... Je ne suis pas féministe. Moi, je dis ce qui est. La femme est plus perdante. Pourquoi? L'homme peut se remarier. La femme fan, sa fan. Et la femme, ça ne trouve pas les hommes à tout bout de champ. Cela dit, ça. Ça ne se ramasse pas. Oui, je le dis, je suis en mode vision. Parce que tu sais pas ce que c'est pas pour dire que ce que l'homme fait est très bien. Non, c'est pas bien. Mais il y a aussi. Vous cherchez le juste équilibre. Je cherche le juste équilibre et surtout pour l'éducation des enfants. Des enfants. Voilà. Alors peut-être un petit détail encore. Hein. Bernardo, l'homme a à peu près quel âge? 51 ans. 51 ans. Et sa femme? 44 ans. 44 ans. D'accord. Ça, c'est bien. Monsieur le franquiste, chez nous les Bantous, nous sommes très rigoureux. Hein? Nous disons que les enfants ne se mêlent pas des problèmes de leurs parents. Alors, comme dit la dame, nous n'encourageons pas le fait que l'homme puisse taper sur la femme. Mais en même temps, si jamais cela arrive, les enfants ont-ils le droit de venir bousculer leur papa? Surtout que là, on commence par bousculer. Mais jusqu'où peut aller ces gestes? Il est très difficile de répondre à une telle question parce que quand on a un papa et une maman, c'est toujours très compliqué. Moi, je pense que les enfants doivent le mieux possible rester à l'écart des problèmes qu'ont leurs parents. Parce que nous sommes croyants des malédictions et bon, des choses qui peuvent se mettre autour. S'il arrive que par mégarde, tu as bousculé un de tes parents, que ce soit la maman ou le papa, parce qu'il y a des foyers où c'est maman qui tape papa. Donc, s'il arrive que dans cette histoire-là, que tu as bousculé un de tes parents et qu'il ait véritablement pris ça avec des pincements, bon, la malédiction peut s'accompagner et beaucoup d'autres choses qui font que tu ne sors pas bien. Mais il faut qu'on réfléchisse davantage à éliminer les violences physiques dans les couples. Nous devrions aujourd'hui admettre que quand des parents ont des problèmes, ça peut être des choses, ils peuvent gérer cela dans la chambre. Mais quand ça arrive au niveau de la bagarre, même sans le vouloir, les enfants sont mis au courant. Parce que quand deux personnes bagarrent, si tu as écouté fortement... Il y a des bruits, donc tu es au courant. Et il peut y avoir des pleurs. Maintenant,
il est très difficile de savoir qu'un parent est en difficulté sans que son enfant ne veuille au moins intervenir. En même temps également, même sur le plan du droit, parce que tu ne sais pas jusqu'où ce monsieur peut aller dans cette bastonnade vis-à-vis de son épouse. On peut dire que non-assistance d'une personne en danger. D'une personne en danger. C'est justement vers là où je voulais arriver. Mm. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour un être humain de voir qu'un autre être humain est menacé, fût-il même pas son parent. Généralement, même tu entends souvent ton voisin battre ta femme et puis tu vas intervenir pour dire voisin, vraiment, fais doucement. Parfois, certains voisins prennent ça très mal. Hein? Tape même. Et il dit que, ah bon, donc tu sors avec ma femme. Ce que j'essaie quand même de dire, c'est il est difficile. Donc, si déjà tu peux intervenir pour dire à ton voisin que vraiment, fais doucement, c'est notre mère. Combien de fois pour des enfants qui voient soit papa ou maman qui est menacé. Donc, pour éviter d'exposer au plus nos enfants, il faut davantage réfléchir sur l'élimination de la violence physique dans les foyers. Promouvoir beaucoup plus de dialogue entre les parents, de sorte à ce qu'ils comprennent qu'ils ont eux-mêmes intérêt à ne pas exposer leurs enfants aux différents débats de leur couple. D'abord, même quand des sortes de dilemmes. On ne t'est pas là quand ils ont commencé, donc ils doivent toujours faire à ce que, quand ça ne va pas entre eux, qu'on soit pas au courant. Merci beaucoup, hein. Pierre Blérieux Niamek. Mm-hmm. Petite situation quand même complexe. Hein. Je parlais des dilemmes là tout à l'heure. Humainement aussi, est-ce que ça ne fait pas quand même aussi mal? C'est-à-dire, lorsque vous êtes un enfant, et surtout vous commencez même à avoir un certain âge, de comprendre comment votre maman crie de douleur, parce que papa est en train de lui administrer une fessée mémorable. Écoutez bien ce que vous avez dit. Est-ce que ça ne fait pas mal pour un enfant de suivre comment sa mère crie de douleur? Mm. Ça fait même encore mal même quand sa mère crie de joie. Ou si tu es à quel niveau là? Non, je veux dire que la pudeur demande que vous ne fassiez même pas crier votre femme de joie aux oreilles des enfants. Bien sûr, tout à fait. C'est pour cela que dans les maisons où vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous faites l'amour doucement à votre femme pour que les enfants ne soient pas mal à l'aise. Si déjà les bonnes choses, vous êtes obligés, la femme, oui, si vous vivez dans la promiscuité, il y a des gens qui, bon, la plupart de nos maisons n'ont pas de cloison. Si vous êtes dans un duplex, vous savez que les parents sont en haut, par exemple, les enfants sont en bas, vous pouvez torturer votre femme là-bas. Et peut-être les cris de joie. Ils ont torturé. Entre guillemets. Et les cris de joie n'arrivent pas jusqu'aux enfants. Moi, je crois qu'on va même souvent jusqu'à dire aux partenaires, non, s'il te plaît, il y a les enfants. Crie doucement. Si c'est pour les cris de joie qu'on dit déjà doucement, a fortiori, les cris de douleur. La mère de quelqu'un ne peut pas crier. Et vous dites à son enfant de ne pas intervenir. Je suis dépassé. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas lui dire ça. Maintenant, c'est la forme d'intervention qui pose problème. Quand l'enfant vient intervenir, qu'il se limite à séparer, à empêcher que son père exerce davantage de la violence. Voilà. Quand les enfants affirment déjà eux-mêmes bousculer le papa. Chez nous, chez les Bantous, ils ont même déjà tapé. C'est clair. Ils ont tapé. C'est même, chez nous, on ne fait pas de différence. Si tu as bousculé, moi je sais même tapé. Que tu me bouscules. Dès que tu as bousculé, tu m'as tapé. Je tombe. Bien sûr. Et c'est dangereux. Et si je tombe? C'est dangereux. Et si je tombe? Je ne sais pas ce qu'il faut pour me relever. C'est ça. Donc, cette femme-là expose ses enfants à la malédiction. Voilà. Elle est en train de les exposer. D'ailleurs, ils ont même appris. Ouais. Bien sûr. En bousculant ton père. Tout à fait. Mon frère, tu as ramassé. Donc, si les gars-là se vantent qu'ils en sont encore à la bousculade, qu'ils sachent que, par contre, séparer, parfois ici, nous avons déjà tous séparé les bagarres. Oui. Il y a une différence entre séparer des gens et bousculer quelqu'un. Il y a une différence. Quand parfois ici est en rixe avec quelqu'un, la bonne personne qui sépare tente souvent de se mettre au milieu et pousse. Et en général, vous allez vers la personne qui présente le signe de faiblesse. Vous essayez. Vous prenez même des coups pour elle. Tout à fait. Et vous allez. Parce que la maman, là, ce n'est pas sûr qu'elle a souvent les bras croisés. Ouais. Quand les enfants viennent bousculer le père. Elle a meilleur d'avoir dit quoi au père. Voilà. Donc, ils viennent, ils se vantent de bousculer leur père. Je leur donne le conseil de présenter leurs excuses et de ne plus jamais bousculer. Tout à fait. Maintenant, au père, oui. On a dit suffisamment.
Et les Bakoko disent et qu'on voit le pohan, que le pays est sucré quand il bouge. Le pays a beaucoup bougé. Depuis plus de 20 ans, plus que les premiers enfants. Tout à fait. Parfait ici. On a eu tous des parents qui tapaient. Oui. Mais après 20 ans. Non. Vous n'avez quand même pas tapé sur une femme toute non, votre vie. Pas du tout. Vous avez tout que la maman, là, il y a des grands enfants. Non. Elle aussi, il y a 11. Oui, ça fait un jarre. Ça fait un jarre. Tu tapes encore sur une maman, non. L'enfant a 3 mois. Non, il y a pas. Mais là, tu tapes une maman, l'enfant a 20 ans. Non. Le garçon de 20 ans va comment tu traînes sa maman au sol. Il y a des provocations insupportables. En droit. C'est-à-dire que cette expression existe. C'est-à-dire vous poussez quelqu'un à bout. La Bible dit. Et vous, père, parlant des pères, parce qu'on dit, le premier versant, parle des enfants. La partie A dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Le versant B dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Ce père irrite ses enfants. N'irritez pas vos enfants. Donc, arrête de mépriser leur maman sous leurs yeux. Arrête ça. Tu as déjà fait trop de choses. Ça va comme il y a 20 ans de choses. Ça va. N'irrite pas ses enfants. D'accord. J'ai dit à chacun sa part. Merci Pierre Blériot. Bernardo Basson. Le papa, certainement, il écoute l'émission. Oui, c'est le cas. Il écoute l'émission. Qu'est-ce que vous dites à ce couple, maintenant aux enfants? Nous sommes à la recherche des solutions. Hein. Niemek a déjà donné la solution que le papa a déjà fait le show pendant plus de 20 ans. Il est... Lui ne prend pas la retraite. C'est une chanson. Chaque chose a son temps. Et puis le chanteur a dit quelque chose qui m'arrange un peu. Oui. C'est-à-dire, il a essayé de relever que chez nous, les bantous, je n'aime pas trop l'expression, on aggrave généralement les situations. Si tu regardes ma mère, elle va appeler tout le village pour dire que tu l'as tapé. Donc, si le papa est venu me dire que les enfants l'ont bousculé et pas tapé, c'est que peut-être ce qui s'est passé était moins que la bousculade si on se fie à la logique que M. Yemeka évoquait ici. Tu veux dire que le papa a amplifié les faits? C'est naturel chez les parents africains. C'est naturel. Les parents amplifient. Donc, si l'enfant avait bousculé, je pense qu'il m'aurait dit taper. Et si l'enfant l'a bousculé, selon ce qu'il dit, je pense que peut-être l'enfant a juste séparé. Non, non. Deuxièmement, je n'ai pas la version des enfants, ni de la dame. Donc, je serais un peu plus mesuré. Parce que je n'ai pas leur version. Mais personnellement, de ce que moi je pense, et ils l'ont dit, si mon père frappe ma mère en ma présence, je ne resterai pas assis. Ça, il faut bien le dire. Tu vas faire quoi? Je vais tenter de réagir pour l'empêcher d'être violent. Monsieur Yemeka parlait de malédiction. Moi, je peux. Si tu tentes de réagir pour qu'il soit moins violent, et il persiste dans la violence. J'essaie de le mettre. Et si tu ne peux pas? Et si tu n'arrives pas, tu vas le mettre. Je vais prendre des coups pour ma mère, ça c'est sûr. Donc tu vas aller au corps à corps? Non, au corps à corps. Le corps à corps, c'est quoi? Tu vas vous faire. Je dis prendre des coups qui va couvrir la violence. Tu vas lui faire le MMA? Non. Quand je dis prendre des coups, ça veut dire que je vais essayer de protéger pour subir ce que l'autre aurait dû subir. Il va dire que vous allez être deux à bagarrer contre lui. Croyez-moi, ce n'est pas nouveau pour moi, c'est ce genre de phrase. Monsieur, il y a quelque chose que moi je ne partage pas absolument. Il parle de malédiction. Oui. Il y a de mauvais papas. Il y a de mauvais pères et de mauvais enfants. Et un mauvais père ne te maudit pas, ça ne te prend pas. Non. Parce que c'est un mauvais père. Non, oui, Bernardo, ne trompe pas les gens. La malédiction a des effets qui n'ont rien à voir avec la qualité du parent. Avec la réaction. D'accord. Non, avec même la qualité, qu'il soit bon ou mauvais. Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas toi qui es d'accord. Mais les maudits sont là. Tout à fait. Les maudits, ils sont là, ils n'ont fait que du bien à leurs parents. Tout à fait. Le parent, dans ce bien-là, les a maudits aussi. Ils ne s'en sortent pas. La malédiction ne joue pas. Mais personnellement, parfait ici. Puisque moi, chacun ne parle pas de son expérience sur le plateau. Mais je sais exactement de quoi je parle. Je dis exactement. Et vous savez de quoi je parle. Des moments où un père est excessif dans la violence, parce que tu protèges ta mère et t'avances des paroles. Bon, aujourd'hui, qui est là, qui n'est pas là, et qui vit mal, qui vit bien, moi, je ne veux pas savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que les parents comprennent que les enfants aussi ont des sensibilités. Et il faut réduire un certain niveau de violence dans le foyer. Très bien. Parce qu'un père qui est violent envers sa femme mérite aussi quelque part qu'on soit violent envers lui-même, ce n'est pas les enfants.
Non, pas ses enfants. Il a été violent contre lui. Même la justice. Non, violent comment? C'est-à-dire qu'il frappe sa femme. Oui. Qui va le frapper? On doit pouvoir le frapper ici. Qui va le frapper? Pas ses enfants. Très bien. Moi, j'ai ma fille. Mais bon frère de qui? Du monsieur. Non. Dans les faits de la. Je ne tolère pas les violences. Je ne tolère pas les violences. Mais pas pour dire qu'il faut faire. C'est pas ici. Heureusement que Bernardo reconnaît qu'il a extrapolé. Mais c'est pour parce que une personne quand il y a violence, il faut essayer d'endiguer la violence. Si vous pensez que celui qui crée la violence mérite qu'on lui oppose une autre violence, préparez-vous à une troisième violence. Mais c'est que de la violence, je suis d'accord. Le mari qui violente sa femme ne mérite pas que quelqu'un le violente. Il n'y a personne pour le violenter. Non. S'il y a quelqu'un pour le violenter, la personne est donc dans le couple et au-dessus du mari. Je ne suis pas d'accord. C'est qui cette personne? Lisons d'abord les messages pour voir également ce que pensent les téléspectateurs. Calmez-vous, monsieur Basson. Nous partons d'abord 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour au plateau des démineurs. Que le franquiste arrête de nous raconter les histoires. Lui-même ne se convainc pas. Ce n'est pas l'ensemble des Camerounais qu'il pourra convaincre. Pour la dénonciation, ce monsieur est un blagueur. Ma mère ne peut pas crier et je reste tranquille. On ne tape pas sur la femme et c'est nos papas qui devraient nous enseigner cela. Jules Hervé Fomont depuis Bata. Un bonjour particulier à la famille 237 et Baby Yin Uni qui organisera son assemblée générale extraordinaire dans quelques jours du côté des Baby Yin. Je pense qu'après je vous enverrai la note, monsieur de Bata. Autre message ce matin, bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Un enfant, quoi qu'il advienne, ne doit jamais porter main sur un de ses parents. Que ce monsieur arrête de battre sur sa femme et tout ira bien. Bien des choses à vous et beaucoup de courage aux familles sinistrées de Mbankolo. C'est Simon Marius Mba depuis Yaoundé. Autre message, bonjour à tout le panel. Subitement, le fils de quelqu'un compatit à la cause humaine après plus de 50 ans d'existence. Comme mon père aime le dire, il y a les signes qui ne trompent pas. Amédé Niémek depuis la cité sec à Douala. Amédé Niémek, moi je ne comprends rien. Alors, un message du plus 49, je pense que c'est l'Allemagne. La femme sur le plateau dit que qui est le père de qui? Je suis avec Blériot, je n'ai pas de père. La présence de Franck Bialaba, sans commentaire, c'est mieux. Prochain arrêt à Ekouno, on attend encore son humanisme. Minalmi. La dame sur le plateau là me surprend. Donc si c'est toi qu'on tape et que ton enfant peut te défendre, tu ne vas pas crier. Peut-être on ne t'a pas encore dosé. Il n'a rien compris ce monsieur. Il n'a pas compris. Il a refusé de comprendre. Merci. Je vous amène au 213. C'est l'Algérie. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, je pense que ces enfants se font manipuler par leur maman. C'est le genre de femmes qui disent aux enfants, à l'absence de leur père, que c'est un homme méchant, un homme irresponsable, un voyou, etc. Que les enfants restent en dehors des problèmes de leurs parents. Un jour, ma mère m'a appelé au secours en me disant que mon père veut la taper. Et quand je suis arrivé, la première question que j'ai posée à ma mère, c'est « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Ou bien « Qu'est-ce que tu as dit pour que papa cherche à te taper ?» Et quand j'ai appris qu'elle avait traité mon papa de vaurien et de morpion, je lui ai dit que c'est elle qui a cherché et qu'elle s'excuse, car on n'insulte pas un homme, encore moins son mari. Dans la vie, il ne faut jamais supporter le faux, même si c'est avec ta propre maman. Il a quelle qualité pour questionner sa maman? Là, monsieur, il y a un mec silencieux. Il n'a pas de qualité. Il questionne sa maman sur la base de quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Et là aussi, qu'il reste en dehors. Il n'a pas de qualité. Il faut rester en dehors. Qu'il reste en dehors et qu'il ne questionne même pas sa maman. Encore moins porter un jugement sur ce qu'il fait. Est-ce que vous saisissez même le problème? Une maman qui dit à son père, à son fils, que ton père veut me taper. Le fils a quelle qualité pour venir même?
Oui, c'est ce que je dis. Quand tu arrives même, si j'ai le programme de taper sur ta maman, je voulais sur soi, dès que je te vois, j'engage de taper sur ta maman. C'est ce que, dès que tu entres dans mon salon, j'engage. Elle paye pour quoi? Non, dès que je te vois seulement, c'est-à-dire tu es venu en renfort, j'engage, même si j'avais décidé, parce que je veux que toi, tu viennes manger ta maman. Il ne vient pas en renfort, il vient protéger. Il n'a pas à me protéger. Comment il a qualité? Il n'a pas qualité, c'est-à-dire que... Oui, c'est ce qu'il n'a pas qualité. Les expériences sont différentes. Oui, elle peut appeler le père du mari pour dire que papa, mon beau père. On va lire. Ça ne dépasse pas la mère. On va lire d'autres messages. Et là, je vous amène au 226. Non, ce n'est pas le fils. C'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Salut le plateau. S'il vous plaît, permettez au téléspectateur d'avoir le temps de parole. Habituellement, ces téléspectateurs vous subissent. Hein? Ils ne sont pas toujours d'accord. Souffrez également de les écouter. Salut le plateau. Mes condoléances à vos frères camerounais. S'il vous plaît, parfait. Ici, permettez-moi de poser une question à la dame sur votre plateau. Madame, à supposer que cette catastrophe ait eu lieu à Washington, le président envoie des ministres et juste après... l'office du président arrive à son tour pour soutenir les familles. Comment les Américains prendront cela? Et s'il prétend briguer un second mandat, pensez-vous que les Américains lui accorderont encore cette chance? Ailleurs, un accident, une catastrophe, le président marque de sa présence et envoie des représentants. Mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun, voilà que la présence du fils du président fait un boom. C'est un non-événement. C'est Paul depuis Ouaga. Paul depuis Ouaga, nous nous sommes au Camerounais. Il faut le dire. La réalité, elle est différente. La réalité américaine. La réalité, elle est différente. De plus, sur le plan constitutionnel, je vais aller sur ce plan-là. Sur Allez-y, le plan constitutionnel, il y a tellement de procédures. Ailleurs, à l'Occident, le président n'a pas besoin de toute cette foultitude de gardes. Il peut se déplacer comme il le veut. Par contre, la constitution du Cameroun impose une certaine, je vais dire quoi, un protocole. Donc, on ne peut pas faire une comparaison entre le Cameroun et puis l'Occident. Pour les déplacements du chef de l'État, je ne suis pas d'accord. Il est seulement quelqu'un qui n'aime pas marcher. C'est lorsque le déplacement est officiel que le protocole se met en mouvement. Vous ne me laissez même pas. S'il vous plaît. Je vais tout faire, madame. Vous ne me laissez pas parler. Allez-y, madame. Je suis allée sur le principe. Mais non, sur l'exception, c'est vrai. Ils peuvent le faire. Il a même, je dirais même qu'il a le devoir de le faire, parce que nous sommes ses enfants. Le devoir, sur le plan administratif, du droit administratif, c'est une contrainte, une obligation. Lorsque ses enfants sont dans un désastre, dans une catastrophe, il doit se déplacer. Il a ce devoir. Maintenant, je vous assure, les réalités sont vraiment différentes. Même si, comme certains le disent, qu'il n'aime pas se déplacer ou qu'il n'aime pas aller sur le terrain, je ne vais pas lui prêter... Moi, je vais aller même plus loin. Bia n'aime pas aller là où les gens sont morts. Même lorsque ses meilleurs amis meurent, il ne part pas. Donc c'est son enfant qui est le nom. Il n'aime pas la mort. Il n'aime pas. On a compris. Nous allons lire les messages, s'il vous plaît. Lisons les messages. Bonjour le plateau, s'il vous plaît. Apprenons à nos enfants dès le bas âge. On ne frappe pas la femme. Peu importe, c'est ça qui produit des meurtres ou des gens tuent leurs femmes. Il faut apprendre cela à nos enfants. Et les gens sont violents avec la femme parce qu'ils ont vu les parents être violents. C'est Flo de Paris qui envoie le message. Hein. Je prends deux derniers messages. Bonjour El Perfecto et aux invités. Il est important de dire à la dame sur le plateau que... vraiment, vous allez un peu coller la paix à madame sur le plateau. Hein. Et c'est même Lauric qui a écrit ça. Lauric, la dame sur le plateau a le droit d'avoir son opinion. Si vous n'aimez pas Bia, vous pensez que dans ce pays, il n'y en a pas qui peuvent mourir pour Bia. et ils sont libres. Bonjour le conteneur de modérateur. J'adore votre style de journalisme entaché d'un peu d'humour. Pour la dénonciation, si le père persiste dans cette pratique de violence sur ma mère, je peux le faire tabasser par d'autres personnes. S'il vous plaît, demandez à Pierre si je peux être maudit. Eric Tchala depuis Ebolowa. Bien sûr. Mais vous avez vu l'histoire, je vous ai raconté l'histoire de cette dame-là qui a été en train d'arracher à tort les terrains de son beau-frère, de son frère, n'est-ce pas? Son fils s'est opposé à elle, elle a soulevé la robe. Jusqu'aujourd'hui, son fils m'écrit tous les jours. Hein. Même dans le cas où le parent a tort,
les imprécations du parent sont très dangereuses. Donc, tu fais bastonner ton père, mais c'est terrible. On te bastonnera toute ta vie. Bonjour, Perfecto. En ce qui concerne la dénonciation de ce matin, le seul conseil que j'ai à donner à ce monsieur, c'est de continuer à battre sa femme. On dit souvent que la vie va t'enseigner. Mais moi, je vais lui dire ce matin que c'est son corps qui va lui enseigner. Il va se faire bastonner bien comme il faut. C'est Ashraf Doja qui envoie le message. Bonjour, parfait. Et à ton panel, tu violentes ma maman, j'encaisse pour elle. Si ce mauvais parent veut, il me maudit. Je repris une malédiction pour la bonne cause. Il est temps que les pères arrêtent les violences. C'est dépassé. C'est juriste Stone depuis Oyomaban. Je prends un deuxième verre d'eau. Mais maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite, sur Sélectionner ma TV. Puis, mon code parent. Et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres. Et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche ? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. PMUC.cm, la plateforme de paris en ligne du PMUC. Pariez sur les courses épiques, la loterie, le casino, les sports. Avec les meilleures cotes, pariez sur ces gros événements. PMUC.cm, disponible en application mobile. Sur PMUC.cm, jouez comme vous aimez. Pour le compte de l'année académique 2023-2024, l'Institut supérieur des sciences et technologies QAM, ISTEC, ouvre grandement ses portes aux bacheliers des sous-systèmes anglophones et francophones. L'ISTEC répond aux exigences de professionnalisation dans les domaines de santé, gestion, agropastorale et alimentaire, industrie, technologie et droit. L'ISTEC, c'est son dispositif d'accueil attrayant, un campus imposant, des laboratoires, ateliers et bibliothèques bien équipés et un corps enseignant qualifié et disponible pour l'encadrement des étudiants. Obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en santé, topographie, management des établissements hôteliers et bien d'autres. Choisissez l'Institut supérieur ISTEC et devenez leader de demain dans votre domaine. Situé à Yaoundé et Tougébé, face Collège Moderne de l'Espérance. Infoline. ISTEC. Un étudiant, une formation de qualité, un emploi garanti. Bienvenue au Wisconsin Apartment. Cadre idéal pour un séjour calme et paisible. Wisconsin Apartment. C'est la fine fleur en termes de studios et appartements meublés au standing, à moindre coût. Un service hôtelier complet, de l'eau et de l'électricité disponible à plein temps, une connexion Wi-Fi haut débit, ainsi que des véhicules à votre disposition pour vos déplacements, dont la ville et la navette pour l'aéroport. Wisconsin Apartment, c'est un cadre sécurisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes situés à Yaoundé Kolfolo, face station Tradex, avant la GMI. Contact 691-91-86-37, 694-41-21-72, 679-78-76-23. Wisconsin Apartment, une classe de différence. PMUC Online Betting Platform, Bet on Horse Racing, Lottery, Casino, Sports. With the best odds. Bet on its major events. PMUC.cm, available as a mobile application. On PMUC.cm, play as you like. Nathan Plus,
c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée, je n'attends plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Et je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Nathan Plus, en route pour l'école. Maman, pourquoi tu éteins la télé? Lors de mon absence, je ne peux pas surveiller ce que tu regardes. Pas besoin d'être toujours derrière votre enfant. Il y a le contrôle parental. Vous pouvez décider de ce que votre enfant a le droit ou non de regarder, et cela même quand vous êtes absent. Pour activer le contrôle parental, c'est très simple. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Ensuite, sur Sélectionner ma TV. Puis, mon code parent. Et sur Créer ou modifier votre code à 4 chiffres, et là, appuyez sur OK. Mais comment ça marche? Allez sur la chaîne de votre choix et appuyez sur le cadenas. Rentrez votre code à 4 chiffres, changez de chaîne pour actualiser le blocage et revenez sur votre chaîne désormais verrouillée. Votre chaîne est désormais inaccessible et votre enfant ne peut plus la regarder. Avec le contrôle parental, soyez serein de ce que regardent vos enfants. Retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture, ce matin nous nous posons une question. L'être humain est-il encore au centre des préoccupations du gouvernement camerounais? Je commence par Moubarak du mouvement franquiste. Moubarak, je vous pose une question inverse. Comment reconnaître un gouvernement qui a mis l'homme au centre de ses intérêts? Je pense que c'est dans les actions du gouvernement qu'on peut savoir si l'homme est au centre de ses intérêts. Il faut notamment y voir un gouvernement qui est là à chaque fois qu'il y a une sollicitation. C'est-à-dire que dans les situations d'urgence, c'est un gouvernement qui intervient. Mais c'est également un gouvernement qui intervient même quand il n'y a pas d'urgence, donc qui planifie la vie de sa population de manière à ce qu'elle ait bon vivre. On peut essayer de voir ça dans ces deux sens-là. Voilà. On pourrait citer quand même quelques domaines, de savoir que dans ce pays, le gouvernement a mis l'homme au centre de ses actions, au centre de ses préoccupations. Toutes les actions du gouvernement, moi je pense que toutes les actions du gouvernement visent à produire le bien-être de l'homme. Parce que le principe, c'est le service de l'intérêt général. Le service de l'intérêt général des populations. Et donc, tout ce que le gouvernement fait a vocation à satisfaire l'homme. Il est donc au centre de la mission du gouvernement. Peut-être de manière différenciée. On a vu dernièrement avec la COVID que le gouvernement a cassé la tirelire. Tout a été fait pour que la situation du Cameroun ne soit pas à l'image de ce qu'on a vu ailleurs. On a même créé toute une task force. On a essayé, bien qu'il y ait eu beaucoup de problèmes autour, mais on a essayé quand même de concilier véritablement l'intérêt général. On est le pays qui a le moins confiné. On est le pays où on a quand même eu un certain nombre de décès, pas aussi élevés qu'ailleurs par rapport à cette situation-là. Le gouvernement s'est mis à l'œuvre. Aujourd'hui, on a vu Bankolo, on a vu les autorités publiques descendre sur le terrain. On a vu un certain nombre de déploiements autour de cette catastrophe. Et je vais vous prendre une situation aussi qui est lointaine, mais oui, je te répare là, qui semble quand même montrer le caractère préventif de l'action du gouvernement. Quand il y a le lac Nyos en 86, je ne suis même peut-être pas encore né. Mais j'ai eu la chance d'étudier, de faire un master en environnement où on nous a montré
les actions qui ont été entreprises après le lac Nyos. Et en réalité, ce sont les actions de dégarage. Qu'est-ce qu'on fait effectivement? On s'est rendu compte que les profondeurs du lac avaient stocké pendant des milliers d'années du gaz. Du gaz, notamment le CO2. Ce n'est pas un gaz toxique, naturellement. C'est juste que quand l'être humain ne respire pas cela, et donc quand il est présent en très quantité dans la nature, comme il est plus lourd que l'oxygène, il renvoie l'oxygène en l'air et lui se retrouve au niveau de l'homme. Donc ça fait que quand tu le respires, tu t'asphyxies. Alors, le gouvernement a entrepris depuis un certain nombre de temps de dégazer le lac Nyos en prévention à une nouvelle fuite des gaz des profondeurs de la mer. Et donc, on dégaze, on envoie dans la nature en petite quantité, et cette petite quantité-là est absorbable par la végétation qui est autour du lac. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut se dire, et ce n'est pas le seul lac qui a été dégazé, qui a connu des programmes de dégazage, il y a également le lac Monu Nafumbot, qui connaît également le même programme. Ce sont des mécanismes de prévention de futures catastrophes qui démontrent quand même qu'il y a une planification qui met l'homme au centre des préoccupations, qui protège très l'homme. Bien. Merci beaucoup. Hein. On va passer la parole à Astrid. Astrid, certains croient mordicus que pour le cap, par exemple, du gouvernement camerounais, ce gouvernement ne met pas l'homme au centre de ses actions. Beaucoup prennent des exemples sur le plan sanitaire, même si le franquiste appelle l'exemple du Covid. D'autres peuvent élargir le débat sur d'autres maladies, le matériel au niveau des hôpitaux, au niveau des universités, au niveau du chômage. La liste est certainement longue. C'est exagéré ou alors le gouvernement de la République fait ce qu'il peut? De prime abord, je dirais que le gouvernement a essayé de mettre en place des structures pour gérer la population. Je vais prendre le premier cas. Nous avons, au niveau de l'éducation, on a les ministères, on a plusieurs ministères, éducation de base, etc. Ça, c'est pour l'éducation. Au niveau de la santé, il en est de même. Au niveau même de l'habitat, parce que c'est le cas précis, il en est de même avec plusieurs structures qui sont, en corrélation, c'est-à-dire qu'on a, la maïture, on a la SIC, on a, etc. Ça, c'est pour l'habitat. Maintenant, le problème se pose au niveau de l'applicabilité. Au niveau de l'effectivité, les choses ne sont pas faites comme il se doit. Voilà où on en est aujourd'hui. Même sur le plan de la santé, comme il a cité, j'allais justement le citer dans mon commentaire, au niveau de la santé, nous avons des hôpitaux de référence. Nous avons des plateaux, on a tout, on ne se plaint de rien. Mais au niveau du service, le service n'est pas toujours fait comme il se doit. Il y en a qui décèdent, alors que les médecins doivent être tout le temps, c'est-à-dire qu'ils doivent veiller. On doit avoir des gardes. Moi, j'ai un de mes oncles, je ne vais pas citer le nom, je vais non plus citer l'hôpital, l'établissement. Il est décédé il y a 2 jours. Il arrive avec une appendicite dans un hôpital de la place, je vais pas citer, je préfère taire le nom. Le spécialiste n'était pas là. On a dû lui mettre, il avait déjà fait 2 jours sans aller à la selle. On a dû lui mettre une perfusion, je ne sais pas, une glucose. On ne sait pas. Est-ce qu'on a vérifié s'il est diabétique? Est-ce que il en est parti? Paix à son âme. Ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, lorsqu'on voit ce genre de cas, ça fait très mal. On ne peut pas dire que le gouvernement n'essaie pas de mettre en place. Maintenant, je vais chuter sur le cas de l'habitat, sur le cas de Mbankolo, par exemple. D'accord, nous sommes dans on est dans un état où les choses doivent être structurées. Mais est-ce que il y a eu sensibilisation de ce côté-là? Je présume que oui, je présume. Maintenant, il y a aussi quelque part la faute aux populations qui sont récidivistes. Peut-être en allant, c'est-à-dire se disant que bon, ok, à cet endroit-là, on peut avoir le terrain à vil prix. Mais à quel risque? Au péril de sa vie. Au péril de sa vie. Et même qu'aujourd'hui, cet endroit-là de Mbankolo et Febe Village, de tout ce côté-là, le terrain aujourd'hui, ça coûte la peau des fesses. Je ne comprends donc pas comment se fait-il qu'une zone à risque, une zone aussi fragile,
où les gens construisent sur des flancs, les flancs de montagne et les flancs de colline, avec une écologie aussi fragile, comment est-ce qu'on peut rester, comment est-ce que, je me dis, là j'accuse un peu le gouvernement, comment est-ce que l'État peut laisser des personnes construire sur ces zones-là, alors que il y a belle lurette, on a vécu la situation avec Damas, je pense qu'il y a 6 mois là. On a connu à Bakoussa. Voilà. Il y a des décennies, les gens sont là parce que certains villages, certains riverains, pas les villageois, certains riverains ne veulent pas laisser la terre de leurs ancêtres, et etc. Donc, je pense que à la base, il faut tout refaire. Nous aussi, de notre côté, nous avons une part de responsabilité. Nous qui sommes la population, même quand bien même l'État ne martèle pas, il faut qu'on essaie aussi de voir, voilà les enfants, les petits-enfants qui sont décédés, les petits innocents, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, s'il faut même parler du préjudice, je vais entrer un peu au niveau de, sur le plan de la responsabilité civile, parce que la responsabilité civile, elle est engagée à ce niveau. Je prends l'article phare, notre article phare, le 1382 du Code civil, qui énonce, je cite, « Tout fait quelconque qui cause à autrui dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans ce cas d'espèce, la faute incombe à qui ? À l'État, à la population ou à la nature ? Quelqu'un avait dit « Tout le monde est coupable ». Voilà. Pierre Bleurieux-Niemec, je vous invite de manière très forte hein, à cette réflexion de savoir si pour le cas du Cameroun précisément, le gouvernement de la République met l'être humain au centre de ses préoccupations. Parfois ici, sans passion, hein, il y a des éléments objectifs qui permettent de savoir si un gouvernement met l'être humain au centre de ses préoccupations. Ces éléments se retrouvent dans les politiques sociales. Et la première grille de lecture est une grille d'ordre statistique. Quand est-ce qu'on a fait le dernier recensement au Cameroun? Ça fait un peu plus de près de 20 ans. Hein? Bon, parfois, si quelqu'un ne connaît pas le nombre de ses enfants, peut-il s'en occuper normalement? Ça devient un peu compliqué. Non, mais aussi, il faut prendre les choses de manière basique. Si tu ne connais pas le nombre de tes enfants... Au Cameroun, on dit que nous sommes environ 30 millions. Maintenant, c'est devenu une affaire des gens qui disent des choses environ. Un recensement est en cours. Non, il faut il est en cours. Oui, il est en cours. Laissons ça en cours. Il est en cours depuis. Un recensement est en cours. Tout à fait. Tu ne fais que les plonger. Tu ne les aides même pas. Tu les plonges. Parce que quand tu fais comme ça, on sent qu'ils se moquent de nous. Donc, pour définir de bonnes politiques sociales, il faut maîtriser la démographie de la population. Cela permet, par exemple, nous avons aujourd'hui un problème de ravitaillement en eau et en énergie en général. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'énergie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas eu une bonne projection pour pouvoir répartir. La planification. La planification n'a pas été faite. Du coup, si vous aviez décompté 6 enfants, aujourd'hui vous en avez 15. Vous continuez de répartir ce qui appartient à 6 à 15 personnes. Vous êtes obligé de créer ce que le gouvernement a appelé quelquefois le délestage. Or, nous sommes délestés en tout point. Passons à l'éducation. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de lycées et collèges à Yaoundé. Plein de zones n'ont pas d'établissement public. Est-ce que l'homme est donc... Il y a des zones où il faut encore faire 30 km pour trouver le premier établissement public. Et je suis même doux ce matin quand je parle de 30 km. Parlons des hôpitaux. Quand vous parlez, nous avons des hôpitaux de référence. Si nos membres du gouvernement voyaient que c'était vraiment des hôpitaux de référence, ils se feraient soigner. Mais on voit un qui supplie tout le temps là pour qu'on l'évacue. Vous dites bien hôpitaux de référence. Pourquoi on évacue les gens? Le plateau technique ne suit pas. Les spécialisations sont rares au Cameroun. Je parle là de la médecine. S'il a manqué un spécialiste, dans la plupart de nos grands hôpitaux, parfois les spécialistes viennent par à-coup. Ouais. Est-ce que vous imaginez que si vous voulez un spécialiste, on va vous dire que nous sommes aujourd'hui qu'un mardi. On va dire le vendredi. Il consulte les vendredis. Ouais. Une fois par semaine. Et qu'est-ce que vous faites de votre cas grave? Il meurt. Comme l'oncle de Astrid. Vous voyez. Donc, toutes ces politiques sociales qui ont été reléguées. Bon, les Camerounais aiment le football, ce qui aurait pu aller dans les politiques sociales. Si ce n'est pas allé dans les poches, si ça n'allait pas dans les poches, aurait pu aller dans le football.
comment est-ce que le football est une politique sociale? C'est pas une politique sociale. Donc, revenons même au niveau du divertissement. Parfait, ici nous sommes en train de produire une jeunesse qui va être psychosée. Ça veut dire quoi, hein? Vous voyez des jeunes qui ne jouent pas. Ils n'ont pas d'air de jeu. Mais bon. ils vont dans les snacks. Non, ils ne jouent. C'est-à-dire que vous êtes dans des quartiers où les jeunes ont beaucoup d'énergie à donner. Il n'y a pas d'exutoire. Les gars tournent là. C'est pour ça qu'ils sont nombreux dans le banga. Mais ils font quoi avec toute cette énergie? Donc, au niveau même, vous parlez du gouvernement, revenons au niveau des CTD. Rien n'est fait pour promouvoir l'homme. Alors, je vais conclure. Aujourd'hui, on confisque encore des femmes qui ont accouché dans les hôpitaux, non? Est-ce qu'on le confisque? Une femme a donné naissance au Cameroun. Le ministère des Affaires sociales a quel budget? Une femme a donné naissance. Il est prouvé qu'elle n'a pas les moyens de payer ses frais d'hôpitaux. Dans mon beau pays, 237, tout un continent, vous trouvez que les femmes sont confisquées dans les formations sanitaires publiques. Après ce descriptif presque apocalyptique de Pierre Bleurugne-Mec, je ne sais pas s'il faut que je passe encore la parole à Bernardo. Bien sûr. Lui risque de m'enfoncer le clou. Bernardo, entre-temps, qu'est-ce qui a manqué? Je vous ramène à l'ancienne époque. Je ne sais pas si vous étiez déjà en connaît. Nous étions déjà vieux. Il y avait à l'époque d'Amadou Ahidjo ce qu'on appelait les plans quinquennaux. C'est-à-dire que des plans en 5 ans. On dit pendant 5 ans, voilà ce que nous allons faire, nous allons faire. Au bout de ces 5 ans, on fait l'évaluation. On fait encore un deuxième plan quinquennal. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que ce n'était pas véritablement ce qu'on appelait une bonne planification pour éviter une navigation à vue? Ça ressemble en tout cas à une bonne planification. Vous l'aurez compris, je n'ai pas vécu à l'époque du président Ahidjo, donc je n'y étais pas. Vous n'avez pas connu le grand baba. Monsieur Niemek a commencé. Je vais aller un peu plus loin. Prenons un peu l'humain et globalisons-le. Je vais emprunter le langage philosophique. Au quotidien, l'homme a 3 rapports principaux. Le premier avec lui-même. Le second avec autrui. Le troisième avec Dieu. Les rapports que l'homme a envers lui-même sont des rapports qui concernent éventuellement sa conscience, ses désirs, etc. Est-ce que le gouvernement camerounais, dans ses politiques, permet aux Camerounais d'avoir un niveau de conscience sociale plus élevé? Est-ce que les discours proposés, est-ce que les contenus mis sur la place publique sont de nature à aider les citoyens camerounais à se développer personnellement, à s'élever, à s'éveiller? Non. Lorsqu'il faut recruter par endroit, on vous impose la sodomie. Lorsqu'il faut recruter par endroit, vous n'avez pas de preuves de ce que vous dites, hein? J'ai des proches. On n'avait pas de preuves. J'ai des proches qui sont passés par là. Moi-même. Est-ce que vous avez des photos? Moi-même, il y a cela. Je peux vous montrer dans mon téléphone les messages des gens qui m'ont écrit que Grande Loge, les histoires, les bêtises. Grande Loge, si on veut te voir, on a estimé que tu as un niveau de conscience et de. On a voulu te sodomiser? Non, je dis. Il n'y a pas des sectes bizarres des blancs, là. Moi, si je suis dans une secte, c'est dans les est-ce qu'on tue les gens là-bas? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que. Vous ne vous parlez de choses qu'on ne connaît pas. Des choses, j'ai reçu des messages dans mon téléphone, les gens me suggéraient. Est-ce que vous êtes dans une loge? Non. Qu'est-ce que je fais? Vous ne connaissez donc pas ce qui se passe là-bas. Ok. Mais. On poursuit dans le débat. On ne me suggère pas. Moi, je voulais donc dire que vous avez donc un gouvernement dans lequel tout ce qu'on essaie de faire naître en l'humain, c'est tout ce qui est rabaissant, tout ce qui est dégradant, le trafic d'influence, les menaces, le népotisme, le despotisme, la violence morale. Tout ça, c'est ce qu'on fait naître en l'homme. Deuxièmement, les rapports avec autrui. Dans ces rapports, que fait le gouvernement? Le gouvernement amplifie les inégalités. Il y en a qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement pauvres. Si c'est vrai que la nature elle-même n'est pas toujours équilibrée, justement, mettre l'humain au centre, c'est réduire la taille des inégalités, réduire la taille des conspirations et permettre aux gens de pouvoir cohabiter. Au Cameroun, il y a carrément une vraie volonté pour certains de traiter les autres comme étant des déchets, comme étant des parias, comme étant des exclus. Un exemple? Par exemple, le fait que certaines personnes ont l'attitude de voler des milliards ou de mettre d'autres en prison alors qu'elles sont fautives. Donc, moi, vous, je travaille pour vous. Je construis votre bâtiment. Je viens vous demander de me payer mon argent.
vous estimez que non, vous ne me payez pas. J'essaie même de supplier, vous me battez dans votre bureau. Et pendant qu'on s'échange, vous me tirez, vous m'emmenez directement en Kondengi, sans jugement, alors que j'ai peut-être raison en venant réclamer mon argent. Ça, c'est ce que fait certains pontes de ce gouvernement. Il faut pouvoir le noter. D'ailleurs, pas maintenant avec Dieu. La spiritualité est importante. Un pays qui veut progresser, comme la Chine, comme le Japon, essaie de mettre l'humain au centre en ceci que l'humain, dans ses rapports avec Dieu, dresse sa conscience, dresse sa morale, dresse son éthique. Mais au Cameroun, on laisse des églises de réveil pulluler partout, chanter dans nos oreilles, piailler comme des oiseaux. On nous tambourine partout, on nous fatigue. On n'arrive même pas à dormir. Tout ça, le gouvernement est silencieusement coupable. Donc, enfin, ici, dans ces pays, la chose qui est mise au centre par le gouvernement, ce n'est que le pouvoir. Ce n'est pas l'humain. Pour nos gouvernants, l'humain ne compte absolument pas. La preuve, on a des gens qui écrivent dans des livres qu'on boit du sang. On écrit dans les livres qu'on boit du sang au Cameroun. On mange des bébés dans le Ndomba à l'étouffer. Vous pensez que les choses qu'on devrait rendre ça public? Les tares et les vices existent partout. Mais est-ce qu'on devrait les porter? Comment la personne avait su qu'au Cameroun, on mangeait les bébés à l'étouffer? Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre. Peut-être elle voyait les personnes le faire, elle entendait, elle le faisait, je ne sais pas. Mais du moins, tout le monde a lu le livre, ou du moins, beaucoup l'ont lu. Donc, je vous suggère, Moubarak, d'aller lire un peu le livre de Renaud, le roman de Renaud Eboto, Ézéchiel dans le train de la mort. Il peint une espèce de néocolonialisme voilé. Et vous essayez de comprendre que dans ce pays, tout ce qu'on fait, c'est pour les autres et pas pour nous-mêmes. Donc, parfait, ici, au Cameroun, l'humain n'est pas au centre des préoccupations. Merci pour, j'ai failli dire, cette plaidoirie. Alors, lisons quelques messages encore. Hein. Bonjour sur le plateau, que le franquiste reste tranquille. Bon, je ne sais pas ce que vous avez contre mon ami le franquiste. Et vous parlez également de Ferdinand Gongo et d'Atanganji. Moi, je ne vais pas lire cela. Bon, vous continuez à tenir des propos discourtois à l'endroit de mon franquiste. Je vais encore vous décevoir. Je ne vais pas lire cela. Je préfère lire un autre message. Bonjour le panel. Très heureux de vous retrouver ce matin. Concernant la problématique du jour, je pense que le gouvernement camerounais, dans son ensemble, a remplacé l'humain par le matériel. Si l'humain était au centre, nous n'aurions pas des enseignants avec 10 ans sans salaire, des infirmiers non payés. Merci beaucoup. Hein. Autre message très rapidement. Très bonne émission. Bonjour, parfait. Ici, s'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Monsieur Moubarak. C'est Youssouf Ndok Pouni qui envoie le message. Je présume un nouveau franquiste en téléchargement. Ils sont nombreux. Ah bon? Vous êtes permanemment en campagne? Non, pas forcément. Non, c'est pas une campagne. Il faut pas... Nous ne sommes pas en campagne, mais nous sommes en train de véhiculer un message de construction de la paix et de l'unité nationale. Et ce n'est que normal que des Camerounais qui sont soucieux du pays, de l'avenir du pays, veulent rejoindre cette machine de l'unité, de la paix. Ce n'est pas une forme de campagne. Merci beaucoup. C'est le professeur Baïbek qui était ici, Moubarak, qui aurait dit quelque chose que je ne vais pas répéter. C'est mon Nyando. Un autre message. Et là, nous partons 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, perfect, bonjour aux panélistes. On ne peut pas encourager le président de la République à ne pas faire des descentes sur le terrain, là où l'actualité est brûlante. C'est l'une des raisons pour lesquelles les chantiers durent une éternité au Cameroun. Même si la Constitution ne lui fait pas obligation de cela, que fait-il de son humanisme, bantou pur de son État? Le président Biya ne va pas au deuil des autres, y compris des personnalité ayant servi la nation à des niveaux élevés. Mais il était au deuil de sa belle-mère. Mieux, je l'ai vu de mes propres yeux à la messe de Requiem, de sa sœur à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. La mort n'a pas deux orthographes. Bonne émission à vous. C'est Benoît de Titi à Abidjan. Bon, mon ami d'Abidjan, je ne sais pas pourquoi tu es comme ça, mais je préfère aller au Gabon, le 240. Si vous ne lisez pas les messages qui parlent du franquiste, il connaît lui-même, il dit du franquiste ventriste, il connaît lui-même que lui et son mouvement ne sont que pure spéculation brumeuse. C'est Jules Hervé Foment.
Ouais, que Jules Hervé, vous pouvez critiquer, mais sans être injurieux. C'est ce que moi je prône hein, sur les plateaux de télévision depuis une quinzaine d'années. On peut avoir une divergence d'opinion, mais dans le respect de l'autre. Tout à fait. Pourquoi ventriste, ventru, tout ça Voilà qui est courageux. Bonjour, parfait. Le président lui-même a déclaré, les membres du gouvernement n'ont pas le sens de l'humain. C'est Maurice Okokomo qui envoie le message. Bonjour, perfecto. Et à ton panel, les matelas, non. Les logements sociaux à Olembe, Chinga et Tessera, c'est pour qui? Ils sont pourtant pour beaucoup inhabités. C'est Tony de Jouvence. Les gars, si ouais, vous êtes quand même... C'est une formule qui a été utilisée. Donc, vous voulez dire que les gens qui ont perdu les logements, là, qu'on leur donne les maisons au Olembe. C'est une formule qui a été utilisée ailleurs. Parce que avant, il y a peut-être deux semaines, je saluais les gens de l'Agdo ici. J'étais là-bas parce qu'il y a les inondations ont débordé. Les eaux ont débordé dans un village et le village s'est retrouvé enseveli. Qu'est-ce que le sous-préfet de l'Agdo a fait? Il y a des logements que la commune de Lagdo a construits pour un certain type de personnes, mais le sous-préfet a pris sur lui la responsabilité de recaser ces populations-là dans ces logements. Le sous-préfet? Le sous-préfet de Lagdo, j'y étais. C'est lui qui a pris la décision. J'ai dit que c'est lui qui a pris la décision. J'étais là-bas quand même. Non. Je crains le sous-préfet. Bon, non. Du moins, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas encore des logements définitifs. Mais pour les recaser, au moins par rapport à la situation d'accord. Par rapport à la contingence. Il y a des situations d'urgence. Voilà. Par rapport à la contingence, il a fait ça. Autre message, perfecto, l'être humain est-il au centre des préoccupations du gouvernement camerounais? À quoi je réponds? C'est non. Notre pays va à volo. Le peuple meurt de faim et de maladies, aussi banales qu'un paludisme. Les routes sont chenoues, des voies qui conduisent en enfer. Ces hommes par le président nommé, et qui sont censés mener à bien sa politique, se goinfrent enrichissent. Point. Au-delà de toute distraction, nous dirions les gens mangent et dorment, craignant l'avènement d'un quelconque remaniement. Tandis que les Camerounais mangent du sable, ne se soignent pas, grelottent de froid, se baignent dans l'alcool, ne vont pas à l'école, dorment à belle étoile quand ce n'est pas dans le noir et n'ont que leurs jolis yeux pour pleurer. Rien d'autre. Bienvenue au Cameroun, le pays de Ferdinand Oyono et de Roger Mila. C'est Lorik. Lorik. Tu es encore trop jeune, hein, Lorik. C'est bon, Lorik. Tu es sur la bonne voie. Alors, Astrid, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on puisse les consacrer à quelques propositions. Hein. Si, de manière générale, nous sommes d'accord sur ce plateau que le gouvernement a un certain nombre de faiblesses. Que faut-il faire pour que le peuple camerounais, de manière générale, commence à être un peu plus pris en compte par le gouvernement de la République? Oui, parfait. Je pense qu'il faut vraiment tout refaire à la base. C'est-à-dire, à l'heure où nous en sommes, nous devrons anticiper. On devrait anticiper sur les événements futurs. Nous avons tellement de spécialistes en séisme, en géographie et tout ça. Des séismographes. Des séismographes. Donc, nous devrons anticiper et surtout vraiment mettre la population dans une sécurité beaucoup plus confortable que celle-ci. Donc, à partir de là aussi, je pense que ça pourrait aller. Et même, je reviens aussi sur la population qui est récidiviste. Parce qu'à chaque fois, on le dit, moi j'ai habité Febe, je connais bien... Febe village. Oui, je connais très bien cet endroit. Vous habitez à côté de cet endroit-là? Pas loin de là, je vous dis. Donc, vous êtes quelqu'un qui s'est exposé, quoi. Bref. D'accord. Pourquoi vous identifiez? De toutes les façons, nous avons une bâtisse de ce côté, mais si vous voyez les bâtisses qui sont sur ces montagnes-là, je vous assure que... Et ce qui est curieux, ce que je déplore aussi, parce que lorsque la population récidive, c'est par le fait qu'elle voit aussi nombreux, c'est-à-dire que les personnalités, elles ont toutes acheté les terrains là-bas. De ce côté-là. Voilà. Donc, tout le monde reste sur place. Comment est-ce que la population va... Donc, quand le ministre construit, comment la montagne ne peut plus tomber? Donc, juste derrière, je vous assure, c'est quand même... Donc, ça fait très mal. Je pense que à ce niveau, nous-mêmes, à la base, commençant par la personne physique, c'est-à-dire ces personnalités-là, parce que ce sont d'abord des personnes physiques, doivent prendre conscience de ce que nous sommes en danger de ce côté-là.
Donc, voilà. Bonjour messieurs et dames, franquistes, franquistes, c'est quoi leur projet de développement du Cameroun? Le nom, le culte de la personnalité, c'est Félix de Douala. Monsieur le franquiste, que faut-il faire pour que le gouvernement, de plus en plus, mette l'homme avec grand H au centre de ses intérêts? Vous avez mobilisé le terme qu'il fallait. Le gouvernement met de plus en plus. Ça suppose quand même qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà un effort qui est fait et qu'il faut l'améliorer. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on devrait aller, en essayant d'être beaucoup plus rigoureux avec ceux qui ont la fonction publique, ceux qui ont des charges républicaines. On doit être davantage rigoureux avec ces personnes-là. Et elles-mêmes aussi, dans leur contenu en termes de formation, doivent recevoir davantage de contenu idéologique et d'humanisme. Très bien. Pour pouvoir se mettre réellement au service de l'homme. Merci. Pierre Blériot-Yemek, que je voudrais vous faire comprendre qu'en Guinée équatoriale, ils sont déjà nombreux qui quittent certains autres pays pour aller se soigner en Guinée équatoriale. Parce que là-bas, les plateaux techniques sont de plus en plus relevés. Est-ce que c'est mystique, pour ne prendre que ce pan-là du Cameroun, que nous ayons des plateaux dignes de ce nom pour que nous ne puissions plus mourir parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas un plateau Est-ce technique que vous, digne de ce nom? Vous comparez un pays de 30 millions avec un autre pays d'un million de personnes sur une petite superficie qui a tout l'hôpital? Mais comment tu as tous ces problèmes-là? Non, on va s'arrêter, Moubarak. Non, est-ce qu'on fait... Ah bon, ok. Les sommes donc au Sénégal, on va prendre des payables. Je demande... En Algérie? Non, on... En Tunisie, je peux répondre. Mais on ne veut pas vous comparer avec qui? Bon, choisissez le pays avec lequel on doit vous comparer. Je n'ai pas dit ça. Vous voulez qu'on vous compare? On ne vous compare pas. Le Cameroun, c'est aussi l'un des pays où toutes les localités ont au moins des centres de santé. Bon, permettez donc. Ça veut dire quand même qu'on peut se soigner. Ce qui se passe, nous n'avons plus de temps à une minute. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que quand on demande à quelqu'un de faire une commande de matériel, il demande à l'extérieur si on peut lui envoyer les gadgets qui ressemblent aux origines. Lui-même, il dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer les trucs là que quand on voit, on croit que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Et on s'entend sur le prix. Voilà! J'ai travaillé dans plusieurs... Vous voyez quelqu'un faire ce genre de commande? On prend des broutilles qu'on nous donne. Donc les abacha. Voilà. On fait ça exprès. C'est ça la commande publique au Cameroun. On ne peut donc pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Tout à fait. Sinon, les outres vont céder. Bernardo Basson, notre beau pays. Je prends rapidement 2 secondes. Je pense que nous devons garder espoir. Nous avons vu quand même au niveau des barrages hydroélectriques qu'il y a eu une nette amélioration. À Mekim aussi, où la panthère est sortie de la forêt parce que les turbines ont été mises en mouvement et l'eau a envahi. Dans le sud. Mais si la panthère est sortie de la forêt, on la mange. Ok. Bon, c'est pour dire que c'est un barrage qui est complètement un échec total, échec cuisant. Moubarak, restons intelligents. La Guinée, c'est un petit pays. C'est aussi un petit potentiel. Un petit nombre de ressources naturelles. Non. Le Cameroun est plus grand, non, c'est le cas. Donc, quand on sait gérer, que l'on soit grand ou petit, on sait exploiter. Le pétrole est partout. Parfait, ici, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant au Cameroun pour que les choses aillent mieux? Il faut d'abord, vraiment, et j'implore, que Dieu d'abord fasse son travail. Lequel? Non, qui reprennent d'abord certaines personnes qu'on a trop vécues. Non. On ne va pas faire ce genre de prière. D'abord, non, c'est ma prière, c'est votre prière. C'est Dieu qui sait qui il prend. Justement, et qui il prend. Tant que moi je pense, donc, qui fasse d'abord son travail là. Donc, qui gère d'abord. Vous n'êtes pas sûr que ceux qui vont venir, ils seront mieux. Non, ça. Qui gère d'abord cela? Ils ont déjà trop d'argent. On ne demande pas la mort des gens ici, Bernard. Attends. Ils ont trop de pouvoir et trop d'argent. Qui gère d'abord cela? Maintenant, ceux qui vont venir seront peut-être moins riches et moins puissants. Avec eux maintenant, comment on sera plus intelligent qu'eux? On va dealer. Merci beaucoup. Et on va dueler. Et nos enfants seront meilleurs. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. J'ai dit merci à Moubarak, le SGA des franquistes. Vous transmettrez encore nos salutations à M. Franck Biya. Il vous écoute tellement. Ah bon? Nous de le faire, vous le faites déjà. Franck Biya, il aime bien l'émission. Il vous écoute tellement. Vous avez de temps en temps causé de cette émission? Non, pas du tout. Mais il aime quand même les murs. Tout le monde aime. Tout le monde nous connaît.
Camerounais aiment l'espace miné. Moi, j'ai de très bons tout le monde. Mais Franck Biennois, j'avais dit qu'il aimait l'espace miné. Il va vous le dire, peut-être. Merci à Astrid Bissa pour une première prestation. C'était génial. Oh, merci. Astrid Bissa, qui est juriste. Hein. Merci à Pierre Blériot, notre consultant, à Bernard Aubasson, notre invité permanent. Dans 6 minutes, vous allez avoir le journal de la mi-journée, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs, à partir de 22h30.